À tout à l'heure. Allô, allô, allô? Maman? Pardon, sur le téléchargement, allez, t'as le lot que j'ai déjà lancé. Qu'elle arrête comme ça, c'est bon. Appelez les voisins et les voisines. Ah, Dorine, la New Yorkaise, comment ça va, ma fille? Je t'ai pas vue depuis. Il a fallu que ta mère lance le téléchargement pour que tu sortes. J'espère que c'est le travail qui t'absorbe ou bien c'est l'école. En tout cas, tiens bon. Tiens bon, ma chérie. Le téléchargement, aujourd'hui, là, je télécharge propre. Je télécharge. Allez appeler les voisins. Je télécharge. Si je n'ai pas le nombre de personnes que je veux, je ne télécharge pas. Appelez les voisins. Allô? Allô? Il a lancé. Non, je veux travailler avec le téléphone. Je peux même pas te parler. Je vais faire jouer certaines choses. Le téléchargement, c'est en cours. Il télécharge. Atomisa. Partagez, partagez, partagez.
Madre, elle m'a dit. Ok. Donc, je vais avoir ma petite musique en attendant. J'ai dit aller réveiller les voisins. Réveiller les voisins, réveiller les voisins. Coucou ma fille, à terre pour rendre grâce à Dieu. À terre pour rendre grâce à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. La vie est une bénédiction. Ma vie a changé, oh, yo lé lé, j'ai triomphé, oh. Hello, hello. Yalo, comment ça va? Je vis avec les étoiles. Mais jamais chez les petits. C'est une bénédiction. Est devenu kérosène. M'appelez pas. Ne m'appelez pas. Les téléchages. Ça va bien, chérie. Félicité, comment? La fille de mon collègue est devenue la grande fille. Où tout le monde insulte. Allez réveiller les voisins. Eh, si la vie de ta grande méchante, pourtant elle va changer, ma fille. Réveiller les souffrances. Ma vie a changé, oh, yo lélé, je suis triomphé, oh, yo lélé, oh, ma vie a changé, oh, saga e, saga e,
Maman, aujourd'hui là, c'est le téléchargement. Attendez voir. Téléchargement. Aujourd'hui, c'est le téléchargement. J'ai décidé de télécharger aujourd'hui. Parce que vous savez que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et je suis une rancunière. J'ai toujours dit ça. Que je ne laisse jamais rien passer. Quand tu m'offenses pour rien. Oh, je te mets au congélateur. Je te mets au pôle Nord. Parce que la congélation de ça n'a pas de nom. On va commencer par le commencement. Je vous fais écouter d'abord des vidéos. Des vidéos que quand vous allez d'abord écouter, ce sera point par point. Et je vais décortiquer. Maman, j'ai eu mes problèmes de couple ici dehors. Vous avez porté, allez mettre sur la place du marché. Vous avez fait tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, pour vous, vous dites que vous allez vous asseoir dessus. Non, quand tu chies, ça sent. Quand tu chies, tu t'assois dessus, ça sent. C'est en train de sentir. Et tout le monde doit comprendre. Quand je parle du téléchargement là, oh là 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 là, c'est un téléchargement qu'est. On va sauf que, mais attendez là, allez appeler les voisins, il n'y a pas encore le nombre que je veux. Appelez-moi les voisins. On va télécharger. Le téléchargement d'aujourd'hui là, maman, il n'y a pas deux téléchargements comme ça cette année. Je pense que c'est le dernier téléchargement que je vais faire. Je vais bien penser à Dieu. Même le Dieu a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Tu ne peux pas. Non, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai trop encaissé. Maman, si je ne donne pas la lionne que je suis là, c'est que je ne vis plus. C'est que ces gens-là ont cru qu'ils avaient fait quelque chose à moi. Au point où je devais m'asseoir comme ça. Ça ne va pas. Oh, machin. Mais comme ils me voient toujours avec le sourire, ça les rend malades. Aujourd'hui, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre même les derniers cris de rouge à lèvres. Mais sur le visage, quand tu lis le visage là, tu vois la souffrance dessus. Mais moi là, je suis... Maman, je suis un modèle pour vous. Je vous ai dit que le téléchargement d'aujourd'hui là. Hey! Je suis partie sortir ça au pôle Nord, hein. Parce qu'au pôle Nord, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin du congélateur. Devant, le congélateur est naturel. Dieu donne le congélateur naturel au pôle Nord. Maman, au pôle Nord. Hey! Pardon, partagez la vidéo. On a causé. C'est au moins 4 heures de direct ici, non-stop. Vous dites que la famille n'a pas l'eau. La famille ne boit pas l'eau. Vous allez confirmer ça aujourd'hui. La famille Kardashian. Maman, qui a baptisé même ça la famille Kardashian? Allez, Arou, moi-même, comment tu vas? Père divine, comment tu vas? Merci pour les cœurs, les bisous et tout. Pardon, partagez la vidéo, c'est le téléchargement. Je vous ai dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange congelé. Quand quelqu'un te fait, tu restes tranquille, tu l'attends seulement dans le conam. Quand pour lui tombe là, non! Maman, c'est vie privée, vie publique. On a décidé de mettre tout au marché. Et ça doit seulement se faire au marché. Si tu es fort, tu encaisses. Si tu n'es pas fort, tu pleures. Et si tu es lionne, tu te mets toujours sur la verticale comme la tonganaise. Et c'est comme ça. Je ne me cache pas. Je devrais faire ça. Au clair, pas dans le noir. Pour vous dire que c'est moi. Et j'assume ma vidéo. Apprenez à mener au ciel. Au criminel, n'importe où, on va se mesurer. Ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez aller au diable. Maman, partagez. Partagez la vidéo. Merci chérie. Oh.
Maman, vous vous rendez compte? Vous êtes quelque part, personne ne vous connaît, de nulle part. Vous sortez des petites flèches, des petites flèches, des petites flèches. Vous encaissez comme moi, je suis la tortue, la carapace. Donc ça vient, ça ne me touche pas. Qui vous a dit que les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix? Partagez le direct. On va télécharger. Hey, maman, le téléchargement de ça. Je pouvais faire ça. Tu dis que le téléchargement de ça tout à l'heure là, je ne vois pas encore. Partagez. C'est cocotier.2. Téléchargez. Full up. Dedans, c'est déjà. J'ai déjà tout téléchargé. Maintenant là, je vais vous servir. Je vais vous servir. Aïe. Maman, Bombo, je vais vous servir. Waouh, maman Sarah. Le son est dangereux. Meuf, le 1er décembre à Montréal, on va danser le son. Merci, merci Queen de retour. Je mets genoux à terre pour rendre grâce à Dieu. Pense à mon passé que j'ai traversé. Je mets genoux par terre pour rendre grâce à Dieu. Le Seigneur s'est montré. Parce que je n'avais rien. Du village est devenue la Tonganaise. Ah. Diction. Échoué. Diction. Non. Allô? Oui. Ok, sans problème. Je ne suis même pas là, je suis en direct. Oui. Ma vie a changé, oh. Je me vois dans ça. Même pour aujourd'hui, moi je vis par les étoiles. Les grands, chez les petits. Ma vie c'est bénédiction. Ma vie a changé. Oh, yo lélé. Ma vie a changé, oh, yo lélé, si yo y ont fait, oh. Malo, c'est la danse que tu veux voir. C'est les montagnes. C'est que par la même foi, on peut effacer ses souffrances.
Ma vie a changé, oh, yo lélé, j'ai triomphé, oh. Maman, hey, moi-même, Lolo, tu peux me tuer, les cœurs, les cœurs s'envolent seulement. Hey, le 1er décembre à Montréal. Pardon, prenez vos tickets, venez, on va danser du de kérosène. Bon, on va commencer là. On va commencer par le commencement. Je vous ai dit, je salue tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, c'est un jour, le 24 octobre. Le 24 octobre, c'est la journée de quoi encore? Bon, bref, j'ai pas très bonne mémoire, mais je sais que c'est journée des femmes, quelque chose comme ça. C'est tombé ce mois. Et je me suis dit que je vais profiter de cette occasion pour télécharger ce que je vais télécharger. Maman, je ne suis pas malade. Je ne suis non plus folle. Même pour ceux qui peuvent me traiter de folle, je vais toujours accepter parce que tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a une année, sur Facebook, des années, il y avait des acharnements sur Facebook. Des acharnements même que, parfois tu te posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu te posais mille et une questions, mais tu n'avais pas de réponse à ta question. Mais, comme la lionne est lionne, elle prenait sur elle. Elle restait tranquille, elle observait seulement. Elle voyait faire, elle regardait faire. Elle se disait, c'est jusqu'où et jusqu'à quand? Donc, j'ai décidé de venir répondre aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, on dit parfois, il pleut sur tous les toits. Il n'y a pas un toit où il ne pleut pas. Aujourd'hui pour toi, demain la mienne. Parce que Dieu que vous voyez là, c'est un être qu'on ne peut pas le définir. On ne peut pas. Parce que quand il décide même de trop te mettre en haut. Tu comprends, non? C'est qu'il s'agit pas besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, là, c'est mon direct, c'est moi qui parle dedans. Quand il décide de te mettre en haut, hein, c'est pas parce que tu es superbe. C'est pas parce que en dehors de toi, il n'y a pas quelqu'un. Ou bien, personne ne peut faire comme toi, que tu es superbe. Non, il t'a seulement choisi parmi tant d'autres. Mais quand il te choisit parmi tant d'autres, là, hein, ne te la pète pas trop. Ne te la pète pas trop. Parce que si tu veux trop te la péter là, quand lui va encore montrer, dit que bon, maintenant il faut que je tourne d'une autre façon, où je vais te pointer, te mettre tes fesses dehors, tu vas comprendre que, hey, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché. Tout a marché. Contrairement à tous ceux qui disent que, c'est une malchanceuse. C'est une fille qui a la malchance. C'est une fille qui a des problèmes. C'est une fille qui a ceci, cela. J'assume ma vie, hein. J'assume ma vie. Ma vie, là, je l'assume. Je l'assume. Ceux qui ont dit que d'un djansang que vous voulez voir, aujourd'hui, là, j'ai moi fait, hein, sans rien. Zéro djansang, mes doigts. Regardez. Parce qu'on reconnaît la femme d'un djansang avec les doigts. C'est pareil. Il n'y a rien. Maman, zéro ndjansan, c'est moi qui ai décidé, je ne veux pas faire un ndjansan, parce que Dieu m'a déjà béni, m'a donné un très beau temps. Si je veux faire un ndjansan, je veux faire, mais ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'un ndjansan. Comme je vous dis, il y a une ténébreuse au nom de la reine de la nuit à Montréal. C'est son téléchargement aujourd'hui. En passant, elle veut caresser à moi, parce qu'elle peut ne pas passer dedans. Parce que c'était deux gangsters dans la ville. Deux qui terrorisaient une ville. Concrètement à ce qu'elle est en train de vouloir présenter. Maman, j'ai dit que je ne suis pas en train de clasher. C'est le droit de réponse.
droit de réponse. Et je pense que j'ai le droit de répondre quand il y a quelque chose. Et j'ai pris mon temps parce que je me suis dit que s'il y a un Dieu au ciel pour tout le monde sera là. Donc on ne peut pas faire et demander à quelqu'un de ne pas venir. Non. C'est faux. Parce que ce que je veux vous raconter, j'ai dit que hein, si vous êtes pressé, vous allez partir. C'est étape par étape. Je commence par le début. Bon, je vous ai dit que le téléchargement était là. Le téléchargement est vraiment là. C'est une vidéo qui date du 27 octobre 2016. Et j'ai décidé de répondre. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis. Bonjour mes gens. Aujourd'hui, votre reine est en mode combat. Je sais que ça fait un petit bout que vous ne m'avez pas vu comme ça, mais j'ai décidé de régler certains comptes avec certaines personnes qui ne nous laisse plus respirer dans la communauté. Comme tout le monde a pu constater, j'étais tranquille dans mon coin depuis un certain temps. Et là, on m'a réveillée, comme on dit toujours. On m'a réveillée. J'avais pris l'initiative de ne plus répondre aux attaques. Mais croyez-moi, des fois, je pense qu'il faut remettre certaines personnes à leur place parce que sinon, le message ne passera pas. Je viens déjà vous parler aujourd'hui de la méchanceté des Camerounais. Vraiment, là, je pouvais pas croire qu'une communauté pouvait être aussi méchante. Et aussi, ça frise la sorcellerie. Aussi méchante que ça. Je ne peux pas croire que des personnes puissent prendre leur téléphone. Un téléphone pour appeler une salle où quelqu'un a prévu organiser son événement pour saboter. Pour dire, non, il ne faut pas organiser ton événement. Il ne faut pas les laisser organiser cet événement. On va venir saccager la salle. Dans le simple but de nuire à la personne. Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait se rendre jusque-là. Comment une communauté peut faire ça? Franchement. Ça dit que ça dépasse l'entendement. Pourquoi? Est-ce que si cette personne ne fait pas son événement, on va vous donner cet argent? Je ne pense pas. Je ne peux pas croire que les gens ont pu faire ça. Que vous preniez votre téléphone, Petit Piment, Tonga, la Marquise, Gloria, toute cette gang-là. Gang des personnes qui n'ont rien à faire. Vous prenez le téléphone pour appeler, pour dire, oh non, l'événement qui aura lieu vendredi, franchement, c'est pas croyable. Pourquoi vous avez besoin de faire ça? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire quelque chose et quand d'autres personnes décident de le faire, vous voulez nuire? Pourquoi? Ça va vous donner quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous êtes les premiers à vous lever jubilés. Oui, le jour de résultat et tout. C'est pas ridicule? Le résultat de quoi? Le résultat de quoi? Vous pensez réellement que si la personne ne fait pas cet événement, vous allez avoir cet argent? Vous l'aurez pas plus. N'est-ce pas, vous avez votre événement aussi samedi? On verra. C'est là le jour des résultats, on va voir. On va se réveiller dimanche, tout le monde va se réveiller dimanche, on verra aussi. Même quand vous aimez cacher vos trucs, vous faites des vidéos où les gens sont concentrés, on va finir par voir. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des Snapchat, les gens font des vidéos en live, donc tout le monde va voir ce qui s'est réellement passé. Peut-être vous pensez qu'en faisant du mal aux autres, vous allez sortir de là gagnant. Non, tout le monde est perdant. J'ai déjà dit ça, quand vous faites ça, vous êtes aussi en train de perdre les plumes, vous en rendez même pas compte. Quant à toi, Madame la Marquise, tu as demandé, personne ne doit plus brancher dans la ville. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui pour demander aux gens de ne plus brancher? Toi, qui? Parce que tu dis que ton mari est avocat. C'est un nouveau avocat. C'est un nouveau. Tu vois, les gens ne peuvent pas prendre des avocats ici. Hein? C'est un nouveau avocat. Je branche. Moi, je branche. Alors, j'ai décidé de brancher. Je fais même. C'est la première fois que je fais une vidéo en live. J'ai branché. Tu lui diras que j'ai branché. Et je vais répéter ce qui a été dit. Il a fait un enfant dehors. Allez reconnaître l'enfant là. Je ne cache pas. Tu comprends? Peut-être vous pensez que quand les gens décident de rester dans leur coin, ils ont peur de vous. Moi, j'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne et je ne vous dépends de personne. Je n'ai pas peur de vous. On vous donnait juste le respect que non, telle est une grande soeur, on ne va pas l'insulter. Mais maintenant, on va bien vous insulter. Tu t'es levé, tu es parti faire une vidéo sur moi. J'en fais une sur toi. Tu comprends? On n'a pas peur. Vous pensez souvent que quand les gens décident de passer à autre chose, alors on va remettre la vie au pas. Vous n'êtes qui? Vous n'êtes qui? Vous n'êtes une référence pour personne. Quand vous regardez vos vies là, vous pensez que quelqu'un a envie d'être comme vous? Personne ne veut être comme vous. Il ne faut même pas vous leurrer. Quand vous dormez la nuit, vous vous réveillez, vous n'avez déjà rien à faire de vos vies. Vous passez des journées et des journées à écrire des chapitres sur les gens. Et quand on veut vous répondre un peu, si quelqu'un branche encore, moi je branche, ton mari a fait un enfant dehors. Je n'ai pas peur de dire ça, je le répète. S'il veut, il m'envoie une mise en demeure, il ne peut rien faire. Tu vas même me mettre en prison, il n'est pas policier, il est juste avocat.
Avocat de quoi? Qui t'a pas dit qu'on ne vendait pas la nourriture dans la maison? Hein? Avocat qui vend la nourriture dans une maison, on t'a pas dit que c'était illégal? Comme ton mari, avocat, il t'a pas dit ça? Que c'était illégal de vendre la nourriture? Tu te lèves, tu dis, et tu commences à menacer. Tu peux menacer qui? C'est toi la suiveuse. Une femme mariée qui se lève, elle n'a pas coupé ses cheveux parce que ses amis ont coupé les cheveux. Tu penses que tu te respectes? Tout ça parce que tu vas boire les restants de verre, les restants de flûte de champagne et manger les restants de nourriture. Tu n'as pas honte? Avant, on te respectait, aujourd'hui, on te respecte plus, la marquise. Ou c'est la marquise, c'est quoi? Je prononce même ton nom, tu t'appelles Nicole. Tu dis que j'ai prononcé. Tu vas rien me faire. Tu comprends? Avant, c'était le respect. Aujourd'hui, je ne te respecte plus. Vous aimez insulter les gens, l'autre a fait. Tu connais ta vie merdique? Quand ton mari était au Cameroun, tu avais plein d'amants ici. Qui a parlé? Personne n'a parlé, non? Pourquoi tu te lèves sur la vie des gens? Toi, c'est qui? Vous avez, il est venu ici, tu n'as jamais déclaré que vous étiez marié. Son courrier allait à gauche, à droite chez les gens. Tout ça parce que tu voulais prendre l'argent du gouvernement. Tu penses que les gens ne savent pas? Tout le monde est au courant. Alors si on va en cours, hein, il faut préparer tout ça. Parce que moi-même, j'ai des preuves. Je vais aussi venir vous démontrer que ici à Montréal, c'est pour nous tous. Vous êtes des Canadiens, moi aussi. Tu comprends? Donc quand tu te lèves là, tu dis aux gens, quand la personne qui bronchait, bronchait, oh, ah, ton mari a fait un enfant dehors. Tu comprends? Pendant que tu es en train de te pavaner avec les autres femmes, monter, descendre, jouer les portes-sacs, ton mari est en train de te tromper à gauche, à droite avec les jeunes filles. Je te le dis. Toi-même, tu m'as dit l'autre fois que tu l'avais attrapé avec une femme chez vous, non? Tu n'avais pas dit ça? Alors quand les gens viennent parler aujourd'hui, tu te lèves, tu commences à insulter, tu m'appelles la reine des ténèbres. Je suis la reine des ténèbres. Sauf que toi, tu es qui? Tu es qui? La marquise à poupée sanglante, celle qui poignarde tout le monde dans le dos. Aujourd'hui, tu veux te lever, tu veux trop montrer comme si tu les aimes trop. Tu aimes qui? Tu n'as pas saboté qui ici dans ce Montréal? Toi, tu n'as pas saboté qui? Dans ce moment, tes propres amis avec lesquels tu marches aujourd'hui là, tu les as sabotés une à une. Aujourd'hui, tu vas aller jouer les lèches-culs parce que tu veux boire un peu d'alcool. Comme tu es même chiche comme quoi là, tu te lèves, tu viens parler des vraies filles. Tu peux pas rentrer au pays, tu sais pas quand ton âge serait né au Cameroun. Tu peux pas rentrer au pays, aller vivre dans ton je sais pas d'où tu sors. Venez amener aider les jeunes filles. Aujourd'hui, vous vous levez, maintenant vous allez saboter la salle de Mkoul Betty, soi-disant le jour des résultats. Vous serez qui? Tu as déjà organisé quoi? Quand tu organises même des choses chez toi, les gens viennent payer. Tu as déjà organisé quoi gratuit? Quand tu as dit ok, j'ai organisé, à part préparer le dollar, amener dans les maisons des gens, tu as déjà fait quoi? Hein? Je t'ai alors répondu aujourd'hui. Si tu es capable, hein, dis à ton mari de m'envoyer une mise demain, je l'attends propre. Je n'ai même pas peur. Mon avocat va s'en charger. Vous croyez que les gens ont trop peur? On n'a peur de personne ici. C'est juste le respect. On n'a peur de personne. Tu comprends? Toi et ta clique, on n'a peur de personne. Je vous ai toujours dit, même si c'est la bagarre, on va se retrouver, on va se battre comme des sauvages. C'est pas compliqué. Je reviens. Elle dit que c'est un plat qui se mange congelé. On va voir la vidéo, on va débattre la vidéo. Maman! Hey! Attendez-moi, je reviens, je prends un peu d'eau parce que j'ai soif. Hey! Moi, je vais pas boire l'eau aujourd'hui. Insulter toute une ville. Déranger les gens tous les jours, on se lève, font des vidéos. Ah non, 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 il faut pas. Vous insultez les gens, vous êtes en train d'insulter. Ça fait des années que vous insultez, ça change quoi dans la vie de qui? Vous voyez, on a toujours les mêmes filles. Prenez même le nom des gens, vous accrochez sur les avions, que ça pavane sur toute la ville de Montréal, ça ne change rien. Vous pouvez seulement insulter. Sortez même les photos nues. Quand vous dites toujours, vous avez les photos nues des gens, sortez. On va voir. Est-ce que je suis une laide femme? Je suis une très. Tu n'as pas vu Nathalie quoi? Elle est devenue célèbre parce que ses photos nues étaient sur le net. Tu n'as pas remarqué? Alors sortez, ça on va aussi voir. Vous êtes toujours en train de vous prendre des menaces. Vous faites des menaces aux gens pourquoi? Vous faites des menaces. Vous voyez un groupe de 4 femmes et l'autre congolaise qu'on a jeté de sa communauté parce qu'elle a couché avec tous les hommes mariés. Elle se lève, vous êtes bien parlé de son gros corps. Tu dis que tu tapes qui? Tu as déjà tapé qui? Tu as déjà tapé qui, Gloria? Depuis que je suis à moi, j'ai jamais entendu que tu as tapé quelqu'un. Tu as tapé qui? Quand tu te lèves, poum, tu viens entrer dans les problèmes des Camerounais. Quand tu viens dans une communauté, tu trouves les problèmes dans la communauté. Personne ne t'a demandé d'entrer. Si tu veux te faire une place au soleil, tu tapes, tu te calmes. Tu restes dans ton coin. Et pas de en restant dans ton coin, comme ça, on va se dire que quelqu'un va même te trouver un gars parce qu'on sait que c'est ce que tu cherches. Comme tu es venu, tu as jeté ton dévolu sur notre frère là-bas, tu lui as fait un enfant. Après, tu voulais lui coller un autre métis sur le dos. Gars, nous tous, on a vu que l'enfant là, c'est pas son enfant. Chez nous, hein, chez les Camerounais, quand c'est l'enfant des Camerounais, il n'est pas comme un blanc. Tu comprends, non? Tu te lèves, tu insultes les gens. Puis, qui est plus pute que toi ici à Montréal? Qui est plus pute que toi ici à Montréal, Gloria? Dis-nous. Tu es le tchopor de ta présidente. Quand les hommes d'affaires ont plus d'argent, te prennent ta main là-bas, on couche avec toi, on te donne 100 dollars. Qui est plus pute que toi? Tu es la pute des putes. C'est pas qu'on t'a jeté de ta communauté. Tu veux qu'on parle? On t'a jeté parce que tu as couché avec tous les hommes mariés de ta communauté. Aujourd'hui, tu viens dans la communauté camerounaise pour entrer dans les problèmes. Qui t'a invité? Tu penses que c'est en faisant ça que tu auras un passeport? Tu ne peux pas avoir un passeport. Tu ne peux pas.
avoir un passeport. Tu es parti, tu as fait un enfant avec un Camerounais. Tu pensais qu'il va te marier, il va jamais te marier. Tu pensais qu'il allait laisser sa femme, pourtant il a jamais fait. La preuve, tout ce qu'il a fait, il est parti au Cameroun. Les autres enfants étaient au Cameroun dernièrement. Pourquoi les tiens n'étaient pas là? Ces vrais enfants qui viennent ici au Cameroun avant, pourquoi les tiens n'étaient pas là? Quand vous voulez vous pardonner les enfants, vous êtes, tu penses que quand tu fais un enfant avec un homme, c'est la fin du monde? Hein? Tu penses que c'est la fin du monde? Tu te lèves, tu viens entrer dans les problèmes qui te concernent. Par qui t'es invité? Tu dis, tu es Médor. Si tu es Médor, et moi je suis Pitbull. Tu as vu, non? Si tu es Médor là, moi je suis Pitbull. Tu penses qu'on a peur de toi parce que tu es beau, tu dis, tu tapes. Tu as déjà tapé qui? Mais tu as déjà tapé qui? On a vu. Personne n'a vu. Si tu veux taper, va taper chez les Congolais. Nous, on n'est pas des sauvages. Tu comprends? Oui, on peut s'insulter jusqu'à demain. Un jour, ça va finir. Et si ça ne finit pas, la vie continue, on s'en fout. Qui respire par le nez de l'autre ici? Toi, tu te lèves, tu viens entrer dans les problèmes des gens comme si on t'avait invité. Quelqu'un t'a invité? Personne ne t'a invité dans nos problèmes. Tu comprends, non? Quand tu es bête, tu n'as rien dans la tête, tu te lèves le matin, tu écris, tu viens insulter les gens. Mais va travailler. Trouve-toi un travail. Fais quelque chose de ta vie. M'appelle même. Je sais pas combien d'années tu es au Canada, tu n'as jamais travaillé quelque part. Jamais. Tu as insulté les autres, on a chassé l'autre du problème. Même si on a chassé, où est ton problème? Toi, tu sais même c'est quoi travailler? Tu as même déjà eu un CV dans ta vie? Hein? Dis-moi, tu as eu un CV dans ta vie? Tu te lèves, tu insultes. Alors, tu sais, qui est plus pute que toi, Gloria? Qui est plus pute que toi dans ce Montréal? Hein? Tu penses que tu es derrière la présidente, pourquoi? Parce qu'elle marche avec les hommes d'affaires, tout le monde le sait. Et tous ses amis l'ont déjà couché avec toi, on le sait aussi. Tu es le choco. Tu comprends? Donc, c'est ce que ça veut dire le choco. Quand les gens ont l'argent, on vient, on donne un peu. Toi, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on te voit. Tu es là, au lieu de t'occuper de tes enfants, tu viens entrer dans les problèmes qui ne te concernent pas. Ça te concerne en quoi? Tu dis que tu vas me taper. Vendredi, je suis sur une poule bête. Tu viens me taper là-bas si tu as la force. Tu vas voir. On tape, comme on t'a dit que le corps, là, c'est la force. Je vais te montrer que hein, c'est pas le corps, la force. Comme vous pensez souvent que vous avez la folie, là. Tout le monde peut devenir fou. Tout le monde peut se rabaisser à votre niveau. Vous allez insulter. Du matin au soir, vous insultez les gens. Du matin au soir, vous êtes en train d'insulter les gens. Et vous pensez que on peut pas vous répondre. On vous répond proprement. Vous faites même des menaces. Vous faites des menaces à qui? Entre nous, quand vous vous regardez le matin, là, vous faites des menaces à qui? Vous pouvez faire des menaces à qui? Vous pouvez faire des menaces à personne. À personne. Quand on décide d'ignorer, c'est juste un choix. Tu comprends? C'est juste un choix parce qu'on se dit qu'on n'a pas juste ça à faire. Non, arrêtez ça tous les jours, vous vous levez là, en train d'insulter les gens. Tout le temps, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Et l'autre est une pute. C'est pas une nouvelle insulte, hein? Insulter quelqu'un pute. Quand vous faites ça, vous pensez que vous avez trop fait. L'autre vend le piment. Depuis que toi, Gloria, tu es dans ce Montréal, ça fait 15 ans. Je sais que tu es là depuis 15 ans parce que tu es un enfant qui est né ici, là. Un gars t'a même déjà doté. Est-ce qu'un gars t'a déjà doté jusqu'à être amené chez lui? Jamais. Même doté, demander la main, là, comme certaines filles font. On a demandé ma mère, même son doigt. C'est jamais arrivé. Maintenant, tu as trouvé un autre gars là-bas en Belgique. Au lieu de te concentrer pour le séduire, pour qu'il te mette à la maison, pour que tu finisses même tes jours avec celui-là, parce que tous les autres ont fui, tu te lèves, tu insultes les nobles femmes mariées. L'autre, c'est une pute. L'autre, c'est une pute. Même si elle est pute avec quoi? Au moins, elle est chez quelqu'un. Elle est chez quelqu'un. Tu comprends? Elle parle de nobles femmes mariées. Tu vas aller étape par étape. Quand vous voyez, elle se lève, elle parle de la marquise. Elle dit que le mari de la marquise est parti faire un enfant. Et qu'il est avocat, elle aussi, elle a des avocats. Et qu'elle attend. Maman, le mari de la marquise a fait un enfant d'après toi. Dehors. Tu es mariée. Terriblement mariée. Compte y demeurer. Et travaille pour demeurer en mariage. Maman, pourquoi tu n'es pas revenu nous dire que ton mari est parti next door aller faire un enfant où j'ai la photo de ton mari avec l'enfant dans un Tim Hortons. Après, je vais poster. Maman, le mariage a fait comment? Toi-même, des hommes camerounais, quand on se tape, on ne quitte pas. Maman, je peux prendre un homme qui est non camerounais. Il m'échappe. Non. C'est qu'il y a un problème. Parce que déjà préparé, tu ne connais pas. Tu es toujours dans les avions parti. Tu pars où? Aller chercher le Penny. Où? De l'autre côté de la rive. Ou à Paris. Tous les jours, tu es dans l'avion. Avec des faux lecha. Des billets d'avion coupés. Que tu pars. Ma chérie. Qui t'a dit que en laissant l'homme de... Comme c'était ton Dunguru. J'ai pas envie d'insulter l'homme là. Comme ton mari était ton safarien, comme disent les Ivoiriens.
tu le laissais à la maison. Tu sors, tu pars, tu viens, et comme il ne connaît même pas lire, on texte, on te donne rendez-vous. C'est lui qui prend le téléphone, il te donne, tu lis, pourtant on te donne rendez-vous pour aller coucher avec toi. Il te donne le téléphone, tu prends, tu lis. Et tu pars, tu le laisses à la maison, tu dis que non, reste, je viens. Entre temps, il va te faire le tchepo, il va te faire n'importe quoi, la nourriture guinéenne. Tu vas manger. Comme c'était trop fort, donc tu es passé à l'international. Tu es parti de Reine des Ténèbres à la Cocotière. La Cocotière, tu es parti au Cocotière 1-0, où quelqu'un t'a pris comme partenaire du restaurant. Tu es parti taper le dos de ce monsieur en allant dire au propriétaire que non, écoute, tu ne peux pas. Éjecte le monsieur là. Moi, je me prends, je suis capable. Je suis strong woman. Maman, quand le monsieur est parti, on t'a laissé le Cocotier. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais incapable. Tu es obligé de brûler le Cocotier, les toilettes. Et maintenant, dit que c'est pyro woman. À moins. Parce qu'elle aussi, elle avait brûlé. Hein, parce qu'on partit. Non. Écoute. Donc, quand vous avez beaucoup de choses en commun, tu n'as pas pu parler. Maintenant, à moi ta tenue. Tu ne peux pas faire le bras de fer avec à moi parce que tu as même couché avec le mari de à moi. Le secret qui est dehors que personne ne peut parler. Quand à moi va arrêter son mari a effacé tout son inbox. Son inbox est blanc, comme l'habit que je porte là. Il n'y a pas de trace. Et quand tu veux menacer à moi, tu dis à moi que tu parles pour que je les capture. Et comme à moi, je suis une autre terriblement mariée, comme tu démarres et travaille pour, elle a peur. Parce que si ça sort, elle va dire que Woyo, mes fesses sont dehors. Mes chéris, à moi, même pour toi en cours de téléchargement. Donc c'était l'amitié, je t'aime moi non plus. Tu te lèves, tu couches avec le mari de à moi. Maman, l'agent t'a fait quoi? Et tu dis qu'on t'appelle prostituée, tu es une prostituée. Est-ce qu'on a peur du nom? C'est ton nom, tu es prostituée. La ténébreuse, tu es prostituée. Ça ne suffit, c'est pas fini. Tu es maintenant en train de voyager, monter, descendre, Paris, Canada, Paris, Canada, Paris, Canada. Tu dis que tu es terriblement marié. Tu t'es levé ici. Prendre ton avion. Allez. Pierre-Éliott Trudeau. Tu arrives à Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle. Tu prends ton taxi, tu arrives chez Blaise Ayoub, l'ancien médecin de Lady Ponce. Tu dis que c'est ton cousin. Tu ancres dans la maison d'un homme qui vit dans la maison avec sa femme. Maman, comme tous les doigts là, vous êtes des cousins, cousines là. Quelqu'un est parti souffler à la femme métisse que, comme tu vois là, c'est ta rivale. Elle t'a molesté à Paris. Elle t'a tapé propre. Tu dis que tu es forte. Tu attendais comment elle t'a tapé. Si on t'a tapé à Paris, tu as parlé. On t'a tapé à Paris, tu as parlé. Hein? Et quand la femme t'a tapé, t'a éjecté, tu es parti te retrouver dans les chambres d'hôtel. Je vais te dire une chose. Ce monsieur-là, au quatrième mariage qui gâte. Donc, il a déjà fini avec pour toi. Donc, pour toi, là, ton mari est parti. Maman, tu es dans le même club que nous. Pardon, viens. Je te dis que je suis commissaire divisionnaire. Donc, moi, j'ai 6 étoiles dans la séparation. Viens te donner les coups. Ne cache plus. Pour toi, c'est parti, go, na, go, go, go. C'est comme ça et pas autrement. Je t'avais dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange congelé. Et j'avais dit que mon allié fidèle, c'est le temps. Et j'adore la notion de temps. Aujourd'hui, là, c'était octobre 2016. C'est en octobre 2018 que je te réponds. C'est 2 ans. C'est au pôle Nord. On m'avait déjà envoyé là. Je vais sortir les photos, ne vous inquiétez pas. Je vais vous... Avec les preuves, comme ça là, on va aller, même si c'est à la cour martiale. On va seulement partir. Maman, les terriblement mariés sont séparés et fuient. Allez voir dans son Facebook, ce n'est plus Diallo. Diallo est parti où, ma chérie? Diallo est parti où? J'assume ce que je dis. Je l'assume propre. Parce que quand tu te levais, tu insultais les gens. Tu m'as insulté. Et il n'y a même pas 2 semaines, 1 semaine. Tu as écrit sur ton mur en disant que
Les femmes qui refusent que leur mari s'occupe de leurs enfants. Ma puce, let me tell you something. I did it because I'm able to make it. Je l'ai fait parce que je suis capable de handle tout ça. Je ne suis pas une chasseuse de primes. Je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas une bordelle. Je ne suis pas celle qui boit les demi-demi-bières dans les soirées. Maman, la cocaïne, tu connais. Le marijuana, tu connais. Les stupéfiants, toutes sortes de stupéfiants, tu connais. Et tu viens parler aux femmes qui s'asseyent dans leur maison avec leurs enfants et qui payent la scolarité de ses enfants, payent des répétiteurs pour ses enfants, prend soin du quotidien de ses enfants, du manger, la peau, la tenue, l'entretien de ses enfants à 100%. Toi, tu viens nous parler, nous. Moi, tu peux pas me parler. Tu ne peux pas. Je t'ai dit que tu ne dois pas divorcer. Tu dois rentrer dans le mariage, là. Tu dois sauf que retourner dans le mariage. Le divorce, là, c'est pour les gens comme nous. Ce n'est pas pour vous. Non. Ça ne peut pas être pour vous. Bienvenue dans le club de divorcés, Dimi. Welcome. Nous sommes en train de te welcome. Viens, on va te donner les cours. On va te dire comment ça se passe. Tu ne dois même plus. Comment je veux dire ça? Tu ne dois pas te cacher. Ne te cache pas, chérie. Ce n'est pas. Le mari n'est pas un fait en soi. Je vous avais dit ça depuis. Que moi, je suis moins contente. Moi, ça me va comme un gant. Regarde-moi, regarde-toi. Toi qui es un homme. Toi qui dis que tu es une femme. Toi qui dis que tu es strong, que tu es capable. Tu as brûlé le restaurant parce que tu as tapé le dos de ton partenaire. On t'a mis dehors. Et le partenaire, c'était le cousin de ton mari. Tu as même voulu coucher avec lui. Le monsieur a refusé. Parce que tu voulais coucher avec lui pour l'endormir. Le monsieur t'a dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Elle a deux pantalons jeans. Hein? Alors, quand tu quittes maintenant, tu pars maintenant ici là, sur Saint-Laurent. Tu dis que tu as le cocotier. Maman, cocotier deux points. Pardon, il faut bluffer les gens de l'Europe. Parce que c'est à eux que tu pars, ça prend. Parce que nous, ça ne nous prend pas. Cocotier 2.0 là, ma chérie. Mon Dieu. La licence pour l'alcool, tu n'as pas. La cuisine, tu as vendu un certain Jackie. C'est Jackie qui gère la cuisine. Les petites filles qui travaillent dans ton cocotier, tu payes à moitié. Je vais te donner 500 $, après je vais te donner 300 $, après je vais te donner, après. Et tu viens de dire que tu es chef d'entreprise, maman. Abbé. Non. Tu n'es rien et tu ne vaux rien. Même un demi-beignet mouillé, tu ne vaux pas. Et moi, je te dis, je te dépasse. Demande-moi pourquoi. J'ai 4 enfants sous mon toit. Quand tu les vois, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont faim. Des enfants qui vont à l'école propre. Toi-même, tu sais qu'ici, là, le transport scolaire des enfants sont payés. Mes enfants vont à l'école en transport scolaire. Le bus jaune, là, je paye. Je paye la cantine. Je travaille pour. Vous avez dit que quoi? Que j'étais au bien-être. Une femme qui a bien-être ne peut pas s'assumer comme ça. Je suis désolée. Je le fais propre. Vous avez cru que en venant m'insulter, vous devez me déstabiliser. Vous allez me démoraliser. Vous allez me faire. Je suis une lionne. Je vous ai dit que c'est la lionne qui tue le lion. Tu avais même commencé les ralliements avec les biens et les bons. Et quand c'était chaud sur toi, à moins, comme elle est dangereuse dans les coups bas, elle t'a talonné, tu es tombé, tu n'étais plus dans leur collimateur. Ils ont passé le temps à t'insulter. Tu ne peux pas parler fort, parce que si tu parlais fort, ils devaient sortir les Western Union qui vous donnaient. Et Mama Guato, et sa fille, la Mamie Dadao, et tout ça, tout ce que vous avez mangé là. Maintenant là, ça vous cale au cou. Vous allez seulement avaler. Tu vas vous donner l'huile de palme. Maintenant, quand tu viens maintenant au cocotier de l'Oba même, il n'y a pas. Maintenant, le mari est parti. Tu vas faire comment? Tu ne sais pas comment tu vas faire. La maison, tu n'as plus. Maintenant, tu vis au-dessus du cocotier. Hé, maman, viens te donner la place chez moi. 4 chambres chez moi. Viens me reculer. Va reculer à mes enfants te donner une chambre. Je vais te donner. Ça, là, je te donne. J'ai 4 chambres chez moi. 4. Vous parlez aux gens. Vous regardez les gens dans la rue. Vous parlez n'importe comment. J'ai toujours payé des maisons. Moi,
J'ai payé la maison. Avant même que le gouvernement ne dise que je vais te donner la maison, je me suis toujours assumée. Ce n'est pas le bruit que vous parlez là. Je parle avec les preuves à l'appui. J'ai des contrats de maison ici dehors que moi j'ai payé. J'ai pris mon argent, j'ai payé. J'ai décidé que mes biens, mes talons, mes terrains, mes immeubles que vous prétendez avoir et construire, je construis ça sur mes enfants. C'est un investissement. Bien même que les enfants sont ingrats, s'ils ne me donnent même pas ça demain, je serai quand même fière parce que je sais que j'ai quand même fait le chemin pour eux. Tu dis que tu es strong woman. Tu es strong woman. Eh Dieu. Ma fille adoptive, parce qu'ils ne savent pas. J'ai 3 enfants biologiques, 3 garçons. Et comme ils disent que j'ai faim, je suis affamée. J'ai adopté une fille que j'ai mis parmi. J'ai 4 enfants à ma charge. Et ma fille adoptive a eu le baccalauréat, niveau de baccalauréat Cameroun. L'entrée à l'université, au collège ici, au Canada, avec mention honorable. Maman, mention honorable. Parce que je paye des répétiteurs pour ça. Oui. I did it. Je l'ai fait. I make it. Je l'ai fait. Vous voulez me parler? Vous tous là, sans exception. Vous tous. Je vous emmène aller-retour. Vous ne pouvez rien. I am strong woman. C'est moi qui dois dire que je suis strong. Parce que je suis une lionne. Ça fait combien d'années? 7 ans que ça dure. Ma chérie, c'est 3 chaussettes, 3 caleçons, 3 underwear, 3 pantalons, 3 activités, 3 cantines scolaires, 3 pulls, 3 manteaux, 3 chapeaux, 3 gants. Pour ne pas dire 4, 4, 4, 4, 4 avec la fille. Je m'assume propre. Vous venez parler. Vous parlez aux filles. Vous voulez parler à qui? Tu te lèves. Tu vas d'abord prendre un homme. Quand on parle même des hommes, là, tu viens parler. Vous allez tourner autour du père de mes enfants toute votre vie. Vous n'aurez jamais quelqu'un comme lui. Jamais de la vie. Je vous dis ça. Parce que il a donné un standing à ses enfants, mais j'ai maintenu jusqu'à aujourd'hui. Même au fond de lui, il est là. Il gueule ce qu'il gueule là, mais quand il dort, il sait que non, la femme là, c'est vraiment une lionne. Et je tiens à vous dire, la lionne marche toujours seule. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour venir me soutenir, pour venir me dire quoi que ce soit. Donc ma chérie, où tu es là, va te revoir dans un miroir. Parce que même la beauté, même tu n'as pas. Tu n'as rien et tu ne vaux rien. Tu as dit que tu pars en France, non? Chérie, avant de partir en France, je vais te donner un conseil. Moi, je suis au Canada, non? Au Canada, c'est le village, hein, comparé à la France. Et à la France, là, en France, les filles sont belles, elles ont des cartes bleues. Hein, elles ont des formations. Parce que toi, tu dis que tu as 18 ans à Paris, au Canada, de Rennes, sans partage. Ça fait 18 ans. Tu n'es jamais allé à l'école, tu as fini une formation. Hein. Tu n'es pas différent à moi. C'est pourquoi vous entendez très bien. Vous avez beaucoup de points communs. Donc, tu ne peux pas te lever nous parler. Non, tu ne peux pas. Nous, on a pris prêt étudiants pour aller à l'école. Et c'est avec ça qu'on nourrit nos enfants. Donc, tu ne peux même pas parler. Ça, là, oublie. Je t'interdis de parler. Oui, 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 oui. Je dis, je t'interdis de parler. Parce que tu t'es levé ici. Tu as insulté toutes les femmes ici, là. Tu as terrorisé toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes. Les hommes, tu les as terrorisés. Mais attends. Tu passes partout, tu voles les maris. Tu as couché avec tous les hommes. Et tu viens me parler, moi. Je vous ai dit, je redis, 22 ans en France. Le palmarès, c'est là. 3 hommes que j'ai connus dans ma vie. C'est le 4e qui vient parler ici. 3. On ne me compromet pas. On vous a compromis tous. Les billets d'avion, oh, les chambres d'hôtel, oh, les Jomanga Bona, tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, là. Non. Je suis moi le capitaine dans mon bateau. On ne me mène pas en bourrique. Parce que quand vous partez, quand ça vous demande de vous chercher vite à vous retracter, non, moi là ça ne commence même pas. Parce que quand tu commences à m'asseoir, te regarde, je te vois venir, je te lis et je rigole. Maman, vous parlez à qui? Tu t'es levé tous les jours, insulté, insulté, insulté. Tu n'as pas dit qu'un homme est parti faire les enfants dehors. Maman, pour toi alors, hein, c'est le helele où tu n'as même pas pu dire à quelqu'un.
Même dit que, ouais, maman, est-ce que c'est ce qui m'arrive? Tu n'as pas eu le courage de le faire. Mm-mm. Parce que t'es plus fort que toi. Pour toi, est parti. Go na go go. Tous les jours, tu es dans l'avion pour partir. Tu joues que tu joues les dangereuses. Oh, l'avion en première classe, en dernière classe. Nous tous, nous connaissons ça. Tu veux couper le tchaï, coupe le tchaï, pas propre. Mais moi, là, comme je suis mère poule, d'après vous, je n'ai pas de kaolo. Je préfère ne pas avoir de kaolo. Mais je veux vous dire une chose. Au lieu de prendre les avions, me pavaner comme vous êtes en train de faire là, je ne prendrai pas. L'argent là, je mets sur mes enfants, sur leur éducation. Parce que ce sont eux qui vont me rendre ça demain. Et s'ils ne me rendent même pas, je ne me plaindrai pas. Parce que je sais que je saurais que j'ai fait des hommes et des femmes. Oui. Eh oui. Retour à tout, maman. Quand tu venais insulter que tu es terriblement mariée, que c'est les bandes de femmes divorcées. Maman, tu ne savais pas que pour toi arriver, il y a ma maman qui m'a toujours dit que... Il y a ma maman qui avait dit que ma fille... Tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que tu as tout vu. Tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que tu as réussi ton mariage. Non. Mais vous avez trop chanté. Vous êtes trop allé. Vous, je ne sais pas. Maman, quand tu me regardes là, c'est toi qu'on ramasse dans les parkings de soirée où tu as déjà smiffé et que tu es seulement en train de planer. C'est toi qui, avec des amis, on fait les couvertures au travail, tu te lèves pour aller Mbinda. Maman, non, moi là, non. J'ai refusé. J'ai dit que hein, je refuse. Je fais si je veux. Si je ne veux pas, je dépose et je pars. Il n'y a personne qui va me dire que non. J'ai dit ça. Celui qui veut dire le contraire vient dire. J'ai dit ça. Je tape la main sur ma poitrine. J'ai dit ça. Elle au Cameroun. Non. Maman, voilà les gens qui ont passé leur temps à les compromettre, à les donner ceci, donner cela. Je te donne ça, tu vas zipper. Non, quand tu me donnes même, moi je veux vous dire une chose. Hein. Même si tu me donnes Dieu le Père et que je ne suis pas en phase avec toi, je vais te dire ce que je pense. Je ne peux ne pas te dire ce que je pense. Si je te dis pas ce que je pense, c'est que ça ne va pas parce que je suis hypocrite. Donc c'est pourquoi moi je décide de dire que je ne parle plus aux gens. Si je ne te parle plus, je ne te parle plus. Parce que tu es une fausse personne. Je te dépose et puis au coin de la rue et puis je me barre. On n'en parle plus. Maman, tu dois sauf que rester en mariage. Tu vas rester en mariage, Moudou. Tu vas rester. Tu as enlevé le nom de ton mari en douce silence. On ne va pas parler. Non. Tu pars en France, on te tape. Tu viens, tu t'assois tranquille. Donc tu dis qu'on va... Non, non, on va parler. Moi, je parle. Moi, je parle. Olivia, laisse qu'elle revienne, je vais la gérer. Non, maman, Dieu, ce n'est pas que c'est la bouche. C'est que cette fille a passé son temps à fatiguer les gens ici sur la toile, à Montréal, sur la toile pareil. C'est une nana qui avait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de potentiel. Elle pouvait faire de très belles choses même. Mais elle se prise la tête. Elle se passait pour la reine. Vraiment, la reine des ténèbres, quoi. Ça lui traversait, ça lui sortait de partout. Donc, tout ce qu'elle devait même faire, qui était bien, elle était obligée de déposer ça par terre. Mais ça pouvait être sur ses grands chevaux. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous le posez la question, qu'elle et moi, on a un problème par rapport à quoi? Est-ce qu'on se connaît ou se connaît pas? En tant que tel, non. C'est deux Camerounaises qui se côtoyaient. Mais quand j'ai fait le lancement de l'ONG, c'est devenu un problème. Parce que elle, quand elle parle, personne ne parle. Je dis que non, pas moi, je suis une fille de mon collodi. Donc, il faut laisser ça. C'est comme ça qu'on se mesurait. Je ne dis pas que je suis parfaite ou bien je suis machin. Je suis parfaite, je serai au ciel avec Dieu, non. Mais une fille qui se lève, elle part déjà, elle va faire le mariage dans un sous-sol d'église. Elle dit qu'elle est la reine. Elle dit que je ne veux pas les cadeaux, pardon, cotiser l'argent vous me donnez parce qu'elle perd le billet d'avion avec pour aller au Cameroun. Maman, et puis c'est vous qui êtes le premier à vous moquer des autres. Insultez les femmes des gens, insultez les gens, insultez les mamans, les enfants morts de ceci, de cela. Maman, je te dis que... Je parle. Tu vas rien me faire. Comme tu avais dit que je parle. Si ton mari, machin, machin. Personne, moi, je parle.
Maman, elle est déjà dans votre famille, hein? Elle est dans votre famille. Elle dit qu'elle est terriblement amoureuse de Blaise Eyoub. Donc, elle va partir du Canada pour aller. Je lui ai dit que maman, les filles de Paris sont là-bas très belles, classe, stylées. Parce que toi, avec tes deux pantalons, ta petite chaussure qu'on attache là, et l'autre, voilà tout ce que tu as. Et tes petites, tu ne peux rien. Les filles de Paris sont très stylées, propres. Et c'est les filles qui ont les cartes bleues, hein. Et puis les gars de Paris adorent les cartes bleues, hein. Maman, tu n'as pas de formation. Elle a même fait venir Eyoub ici. Eyoub. Pour dire à Eyoub que, il faut qu'il, comme il est infirmier, il va voir ma chère. Maman, il est venu, c'est un peu chaud, il a dit que non, lui, il bac. Dans tout ça, là, son mari est là, hein. Son mari sait que c'est son cousin. Je suis dépassée. Donc maintenant là, comme Eyoub a sa petite femme, la petite fraîche fille métisse là, elle part maintenant, elle a fini de gâter tous les mariages ici parce que elle insultait l'autre qu'elle était le choco des hommes d'affaires. Elle-même, pareil. Pareil. Tous les hommes d'affaires sont passés à l'abattoir. Elle t'appelle. Est-ce que je peux venir préparer chez toi? Est-ce que je peux? Est-ce que tout ça là? Voilà une femme mariée hein, qui est le matelas de toute une ville. Le matelas de toute une ville. Qui a arrêté quelqu'un? Elle n'a qu'à vivre sa vie. Le problème, c'est que quand tu insultes les gens, tu es divorcé. Tu veux cacher, tu ne veux pas faire croire aux gens que tu es divorcé. Maman, il faut nous dire. Je te dis qu'on va t'aider. Je suis commissaire divisionnaire dans ça. J'ai 6 étoiles. De te donner des conseils. Bienvenue au club. Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a pas de mal à ça. C'est même tellement vous avez insulté, tellement vous avez parlé, tellement vous avez, je sais pas. Et toi, tu t'attendais à quoi? Je vais lui donner ton adresse, t'inquiète pas. Même la cuisine, elle ne connaît pas. L'entretien de la maison, même non plus. Rien. Zéro macabre, vide. C'est mal la bouche. D'autres filles doivent la même font le mion dans le ndolet. Et le poisson brisé ne connaît pas. Poisson calciné que tu veux voir. Va au cocotier. Tu vas manger. C'est le charbon que tu manges. Mais c'est du sel que tu veux voir. Au jour d'aujourd'hui, là, le cocotier, même l'argent pour payer le loyer, il n'y en a pas. Elle est en train de chercher à qui elle va vendre le fonds de commerce. Voilà une commerçante. Tu as pris l'étude du marché quand? Tu t'es inscrit dans le management ou bien le business? Tu connais comment gérer une entreprise? Tu as dit quoi à qui? Tu as fait quoi? On a vu. En dehors de petits bavardages, tu t'es levé ici. Venir m'insulter. Que les femmes qui ne veulent pas que leurs enfants voient leur père. Ma chérie, aujourd'hui là, tu veux le racoler. À moi, elle t'avait déjà fait le coup d'état. Elle t'a cogné propre. Tu es parti. Donc, tu ne peux plus revenir. Même te récupérer, ils ne vont pas te récupérer. Ils ne vont pas te récupérer. Tu viens t'asseoir ici. Voilà pour te faire valoir. Oh, j'étais en France à la soirée. Mbouripo est venu me saluer. Elle a beaucoup de respect pour moi, machin. Voilà la référence. Des quartiers comme ça. Je suis une fille de Mokolo, hein, mais je connais le savoir-vivre. Comme dit souvent ma nièce, j'ai mangé avec les couverts à table. C'est chez nous, il y avait pas ta maison à Carabotte, hein, de téléphone et tout. De dire que je veux poster ça après. Tu vas rien me faire. J'ai tout ça. Je veux poster. Quand vous êtes ce que vous êtes, avez insulté. Comme à moi, toi, vous avez des problèmes là. Allez vous unir. Je vous attends. Vous n'allez rien faire. Rien. Absolument rien. Passez le temps à insulter les gens ici. À traumatiser les gens. Vous passez pour ce que vous n'êtes pas. Qui vous a dit ça? Moi, on me parle. Vous qui? Vous qui? Toi seul, tu es marié. Le petit, il s'appelle quoi? Ibrahim, s'il est nigérien ou bien Niger ou whatever, c'est toujours ton gars. Tous les petits là, ce sont de tous, sans exception. Non, c'est mon ami, hein. C'est mon ami. Quel est ton ami? Quel est ton ami? Voilà la photo. Je vais poster, capturer.
Je vais poster. Tu vas rien me faire. Le reste, ça vient me trouver dans mon inbox. Tu vas faire quoi? Tu vas me faire quoi? Voilà. Une souffreteuse. Après combien d'années? Regarde. Elle va venir nous parler. Avant le Ndiangsang, son temps avant le Ndiangsang. Comme elle veut dire qu'elle connaît trop là. Elle est un King Kong. Là voilà. Quand elle est partie, on l'a frappé. On l'a fracassé. Elle dit, elle va venir. Je t'attends. Tu as insulté les gens ici. Insulté même ton ancienne copine qui faisait ton business. Qui faisait venir les musiciens à ta soirée pour donner une valeur, de la hauteur à ta soirée. Tu l'as insulté qu'elle ne peut même pas se marier. Elle fait qu'elle est ceci. Elle s'est mariée samedi le 20. Hein? Elle s'est terriblement mariée. Comment on dit que les premiers seront les derniers là? Pendant que vous sortez, elle entre. Hein? Parce que nous, on était nous sortis depuis. Pendant que vous sortez, elle entre. Tu sors du mariage, elle entre dans le mariage. Et c'est comme ça. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Ça a été dit ça dans la Bible. Et ça se vérifie. Tu as fait comment? Le mariage était là. Blanc, blanc. C'est blanc rose ou noir blanc. Whatever. Maman. C'est-à-dire que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Maman, les abeilles l'ont fatigué. Les abeilles ont insulté à moi la chèvre. Terriblement. À moi maintenant, elle est en train de... Vous voulez que je mélange le téléchargement, si. À moi maintenant, se lève. Elle dit que le gourou a eu la nationalité en 3 ans. Et que pourquoi son fils n'a pas de nationalité jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela, c'est dans les inbox. Des abeilles, hein? Les abeilles sont parties de nos gourous. C'est pourquoi maintenant, là, ça a cuit sur elle. La rosée arrosée. Elle pensait que quand c'était le tour de Tata Doudou, c'est Tata Doudou qui allait souffrir, non? Maintenant, là, c'est elle-même qui souffre. C'est elle qui est en train de souffrir dans ça. Écoute, c'est la rosée arrosée. Elle va faire comment? Elle faisait les directs pour insulter. Wakatolog, elle fait direct pour insulter. J'ai dit que, hein, même si le coq passe là que sa tête, elle insulte le coq. La mouche passe que elle fait, elle insulte. Elle dit qu'elle est strong. Que quand elle parle, personne ne parle. J'ai mis ça au congèle. Au pôle Nord. Parce que même le congèle, je ne peux pas supporter. Ça fait 2 ans. Hein? Octobre 2016, octobre 2018. Donc, il faut qu'elle avoue. Il faut qu'elle accepte. Elle doit faire comme nous. Le mariage n'est pas pour nous. On est parti. On est parti. Peut-être qu'elle ne connaît même pas mon éloge. Moi, c'est Mana Mantash, la mère de bordel. Ça, c'est mon éloge. Nous, on ne reste pas dans mon mariage. Ça, c'est connu. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais pris pour mon premier degré. Non. Moi, pour moi, c'est comme un jeu. Et puis, bon, voilà. Je m'en fous. Je m'en fous. Avec leur partenaire, c'est le téléchargement de leur partenaire de Toronto, celle qui est partie voler l'argent et mettre le conteneur en Roumanie, là, pour amener au Cameroun. Le prochain téléchargement, c'est pour elle. C'est en train d'entrer. C'est elle qui va voir. Patricia, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Ton mari est parti. Accepte qu'il est parti. Et fais-toi une vie. Arrête de te tromper. Parce que ça ne sert à rien. Tout est monté, descendre. Là, tu n'as rien à prouver à personne. Ça, là, c'est un conseil que je te donne. Tu n'as rien à prouver à personne. Vis ta vie. Fais comme bon te sens. Ne vis pas pour les autres. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Le reste là maintenant, honnêtement, là, fais-en ce que tu veux. Le conseil de petite soeur, de grande soeur, petite soeur. Parce que là, c'est ta grande soeur qui te parle. Arrête de te voiler. Arrête de te mentir à toi-même. Prends tes choses au cocotier. Va prendre même une chambre. Tu recommences. Il n'est jamais trop tard. Va même à l'école. Parce que vous insultez les gens, c'est insulté. Ma juge pas au travail, elle a 2 travaux. Gouvernement fédéral, provincial. Elle n'a pas faim. Oui,
faut qu'elle se lève, qu'elle aille à l'école, va faire des formations, demande de l'aide, on va t'aider. Même ce que je fais là, comme tu dis, Willy, Noël, c'est vrai, c'est contre gré, mais parfois, on dit qu'aime bien châtie bien. Le châtiment là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire, l'autre va rester. Non. Qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête de se tromper à elle-même. Le mari n'est pas une fin en soi. Nous, ça fait 7 ans qu'on est partis. Est-ce que nous sommes mortes? Hein? Ça a changé quoi sur moi? Je bonifie même de plus de jour en jour. Moi, je n'ai pas de problème. Elle m'a dit que j'ai mis tous les ndiansans du monde. Je ne refuse pas. Même le ndiansan là, je n'ai pas. Même la poule, je n'ai pas. Rien. Les captures sont là. Elle a sorti les captures. Elle a. Donc, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que la semaine dernière, elle s'est fâchée. À moi, elle s'est fâchée parce que sa fan numéro 1, qui est passée du virtuel à la réalité, comme c'est elle qui avait fait la relation à trois, Fokwe, sa fan et elle, et maintenant, sa fan s'est rendu compte qu'elle pouvait tirer son épingle du jeu par rapport à la popularité de Fokwe. Elles ont décidé de faire des coffrets, des trucs qu'elles sont en train de faire là, n'importe quoi qu'elles sont en train de faire là. Maintenant, l'amitié à trois, vous-même, vous connaissez que l'amitié à trois, là, c'est souvent pas vraiment très. L'amitié à trois est souvent très délicate. Alors, Fokwe, bonne rusée, se jette par terre, dit que non, tu sais, vraiment, elle a machin et tout. Ils ont décidé. Elle est partie en France à l'inauguration. Elle est revenue. Elle ne s'est même pas assise. Elle est partie dans un restaurant d'un monsieur qu'on appelle Jérôme. Je dis que je vais les télécharger, Jérôme et sa femme. Ils ne me connaissent pas. Je ne pars pas dans les circuits, je ne pars pas dans les ngandas. Je ne les connais pas. Mais mon nom est dans l'nganda tous les jours que Jérôme et sa femme se méfient de moi. Parce qu'elle-même m'a insulté quelque part. J'étais assise. Je l'ai observée. Je l'ai regardée. J'ai décidé que je ne répondais plus parce que j'avais décidé de ne plus répondre. J'ai dit que c'est bon, ça va là. Elle a continué, je suis restée tranquille. Je suis revenue de ma juju, que je m'a juju. Il y a la femme de Jérôme là qui est en train de jouer avec moi, elle l'a châtiée. Ma juju m'a dit que laisse, observe, vois faire. J'ai laissé faire. Donc, elle part maintenant à Paris, elle revient, va dans le restaurant, elle commence à parler avec celle qui est comme la rouquaine là. La rouquaine Karine Verlaine là. Celle qui est partie acheter des papiers aux cravates, les diplômes aux cravates. Son mari a acheté au doctorat, elle est venue ici dans une école, on l'a chassée là. Il parle de moi, il parle. Maintenant, elle se lève, elle part aux États-Unis. Elle repart en France, elle vient, elle dit que sa carte de crédit. Quand elle arrive à Paris maintenant, son gourou avait déjà parlé avec sa fan numéro 1. Donc, elle dit, j'ai au banc de touche. Mais à moi, elle dit que, mais, quand elle parle aux gens là, ce n'est plus trop ça. Elle ne comprend pas, elle ne sent pas trop, machin. Ah, ses amis ont dit que, ah, moi, on ne connaît pas, c'est toi qui les connais mieux. Nous, si tu nous dis seulement, nous, on écoute, on ne peut pas juger, on ne peut rien dire. Alors, à moi maintenant, se lève. Appelle sa femme, dis à sa femme c'est comment. Sa femme dit, ah, je ne connais pas, hein, c'est le bon qui gère tout et tout. Maintenant, à moi, surprise de rentrer ici au Canada et que le gourou annonce que la direction a décidé de ne plus, elle ne doit plus représenter les produits aux États-Unis, au Canada. On a demandé la raison, c'est quoi? Elle a dit que excès de noisseur. Qu'il n'y a pas une crème pour elle, que sa peau est très sale et que ça... Ah, voilà, je dis qu'il y a un concours. Par exemple, il faut dire à Blaise et Yumki qui peuvent venir au Canada. Voilà un concours qui est lancé au service correctionnel à l'infirmerie. Ils peuvent venir travailler là-bas. La juge a le secret du travail. Donc, quand elle part maintenant, elle trouve. La fille lui dit que non, tu n'as pas le temps, vraiment tu ne peux pas représenter, même ton caramel, même ton quoi, vraiment tu ne peux pas, même ton noix est sale. Attends, je vais vous montrer un de ces noix. Maman, maman, moi, si on met une fille comme ça sur un truc, sur un lait, moi je n'achète pas. Moi je n'achète pas.
Moi, je ne peux pas acheter. Oublie ça. Oh, mais. Maman, un temps comme ça, vous allez faire quoi avec? Regardez la peau. Maman, si on fait la publicité avec un temps comme ça, vous allez acheter. Vous allez faire quoi avec? Quelle la noisseur de ça, que la noisseur même ne donne pas, donc elle ne peut rien. La noisseur de ça, donc n'a même pas, c'est on ne trouve pas, donc on ne sait pas dans quelle catégorie on peut mettre. Après, dit que bon, maintenant, prenez, amenez alors chez ma copine Rouken, celle qui était professeure d'anglais au Cameroun, aujourd'hui elle ne peut même pas donner les cours, je ne sais où là. Cacao caca. Ah, on va leur proposer ça. Si elle peut faire cacao caca. Maman, c'était chaud. Donc maintenant, elle est revenue. Quand elle revient maintenant, la beauté, beauté. Quand elle revient maintenant, et sa copine lui dit que tu peux pas faire. Tu ne peux pas représenter les produits. Elle s'énerve. Elle dit que, mais comment ça? Je ne peux pas représenter les produits. Je dis, non, tu ne peux pas représenter les produits parce que vraiment, on a cherché dans quelle catégorie on peut te mettre. On n'a pas trouvé. Elle dit que, puis, bon, t'es un rouquin. Comme sa copine est un rouquin. Celle qui pond là comme le canard. Elle dit que, maman, même celle-là, on ne prend pas. Donc, elle s'est énervée. Elle est partie. Elle est sur le mur. Elle a tout enlevé. Je dis qu'elle a enlevé tout leur marque là. Maintenant, elle fait la publicité. De Aloe Vera. Maman, le produit a commencé quand pour que tu te déposes pour faire la publicité d'une autre personne. Maintenant, elle fait dans tous les cancans de publicité au quartier. La publicité principale qu'elle devait faire, c'était leur produit. Maintenant, là, comme on l'a déposé, c'est mon problème. Qu'est-ce que moi j'ai à y voir là-dedans? Voilà où elle ne fait plus le truc. Ah bon? Patricia Makabo Bangala. Escroc, escroc de talent. Maman, voilà ça qui sort le goût de Misunga. Voilà ça qui sort. Et comme là, ils ont escroqué. Donc c'est ça alors qui faisait la jalousie entre Amouin et Gabi Taché. Parce que Amouin entre dans le restaurant de sa préférée, trouve Gabi Taché avec sa copine, prend les photos, clac, 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 envoie sa femme, texte, envoie sa femme. Par les voix, envoie sa femme, va casser les choses, va faire ceci, va faire cela. C'est reparti tomber dans leurs oreilles. C'est dormi, c'est dormi dans leurs oreilles. Ouas Balengu, si tu veux que je te montre mon inbox, et je suis infiltré chez eux, mon inbox est rempli. Ce que je te montre là, c'est dans les inbox. Moi, viens, on me sert cadeau. Ce n'est pas besoin. T'as pas besoin d'une malade comme ça. Tu m'avais fait quoi là-bas? Pour rien au monde. Je ne peux pas. Elle peut appeler son amie. Appelle son amie. Elle dit à son amie que va clasher ton mari, va faire ceci, va faire cela. Donc elle voyait Gabi Tache et son alcoolique, comme c'était les deux escrocs. Ça l'énerve, elle avait le macabo. Maintenant, elle est partie monter le coup. Maintenant, voilà ça qui est ressorti. Les étoiles sont resserrées autour d'elle. Merci, Cro-Cro Lolo. Non, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Elle cogne des têtes à tout le monde. La guerre même qui s'est passée ici, c'est à moi qui reste chez elle. Une dame l'appelle au nom de Zaza. Elle prend le téléphone. Elle ne raccroche pas. Ah. Donc, c'est le Congo, ça, oh père. Maman, c'est ça que ça vient me trouver ici. Elle vous a dit que je m'en vais dormir. Je suis encore sur la mur. Ils sont de qui? C'est les mains. Faut laisser ça. Faut laisser. Je vous dis que c'est une emmerdeuse. Hey. Donc c'est un gros gigolo. Je veux tout entendre. Sur le direct, si. Ah, moi, c'est une sorcière. Maman. Ouais. Vous allez me tuer.
Donc, elle a passé le temps à dire des choses à l'autre, à la femme de Gaby Tache. Donc, elle était jalouse. Donc, voilà. Et maintenant, c'est leur problème là-bas. Elle va venir mélanger tout le monde dedans. Quand vous partiez voler ensemble, quand vous partiez faire vos 400 coups, nous, on était là. Pourquoi tu veux maintenant impliquer sa femme dedans? Dis donc, cassez-vous avec ça. C'est votre problème. Vous allez seulement gérer ça comme vous avez commencé. Personne ne va se mêler de ça. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que moi, je suis prête à vous aider. Venez, on va faire. Avec ma juge, avec ma juge, on doit les aider. Parce qu'elles ont beaucoup de lacunes. Elles croient qu'elles savent, mais elles ne savent rien. Elles vont venir s'asseoir. On va leur dire quelle formation, par où commencer. Même elles commencent par Théâtre. Ça n'a pas un problème. Il y a pas de problème. Il y a des gens ici, même qui sont sortis médecins à 60 ans. Il n'y a pas l'âge pour ça. La connaissance, c'est à tout moment. Tu peux toujours. Donc, il ne faut pas qu'elle se. Non, 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 non. Ne vous, n'ayez pas un blocage. Vous devez être là. Allez à l'école. Allez vous former. Allez travailler. Parlez d'une autre qui est là-bas, de l'autre côté, là. Chérie, là, elle ne connaît pas écrit chérie. Hein. Son chéri, c'est C-H-E. Eh Dieu. Maman. Bonjour, Elisa. Maman, c'est les terriblement mariés qui sont terriblement divorcés, ils cachent, ils ne veulent pas qu'on soit au courant. Non, c'est venu me trouver. Mais que maman, elle t'avait trop lavé, donc mieux là, on va venir t'informer. Je dis que merci pour l'info. Eh oui, terriblement mariés. Et maintenant, écrivez terriblement divorcés. Moi, je vous dis que je suis commissaire divisionnaire dedans. Hein. Moi, je peux vous donner des cours pour ça. Donc, moi, là, mon inbox est plein. Ça entre tous les jours, instantané. Même pendant que vous parlez, là. J'ai beaucoup qui entrent, là. Mais bon, je préfère m'arrêter là parce que, en fait, il faut que vous Les jours, partez, instantanément. allez vous réconcilier. Comme j'ai parlé, là, allez vous réconcilier. Et vous venez, je vous attends. Maman, voici une autre. Regardez. Maman, vous-même, là, vous croyez que... Qui peut acheter ça? Regardez ces aisselles. Hey, maman, qui peut prendre? Qui peut acheter? Elle est là comme le zombie. Je vous ai dit que acceptez votre vie. Venez me voir, je vais vous aider. Elle est dit, donc tu réfléchis encore? Elle est bien divorcée. Il faut laisser ça, c'est le modèle. Le gars est terriblement assis chez une fille guinéenne. Maman, la fille a lui fait vous appelez ça quoi? Les folérés, les couscous, les couscous. Et la fille lui fait comment dire, les tchèpes, les ouf, maman. Et il a même pris du poids. On croyait que le gars ne pouvait pas prendre du poids. C'est parce qu'il souffrait. C'est parce qu'il souffrait. Il a pris du poids. Il est devenu tout beau. Maman. Horriblement divorcé. Maman, il y a encore de quoi? Maman, le gars là, hein, il a pris du poids. Quand tu le vois, il a bonne mine. Maintenant, là, il mange la vraie nourriture. Mais oui! Maman, les histoires que les McDonald's, les pizza, les machins, sandwich, machin. Non, maman, il mange la vraie nourriture, la nourriture de la mamie. Et sa famille supporte la femme là. Oh, ha. Sa famille dit à cette femme-là que maman, tu es notre. Oh, tu as récupéré notre fils. Maman, comment vous pouvez voir une femme comme ça, qui est chaque jour assise derrière les débits de boissons, les alcools, les alcools, les alcools. Une femme qui a dit qu'on l'a dotée deux fois. Maman! Non! Donc, quand elle disait ça là, c'était parce qu'elle voulait qu'elle. Hein? Mof, maman, elle va te suicider. À moi, la chèvre a divorcé. Non, pour elle, elle n'est pas encore arrivée. Pour elle, en cours de téléchargement. Elle est partie voir son amie, comment on dit ça là, la mère de sa cota. Que ouais, maman, parle alors à Christian. Si pas, je suis morte. Oh, pardon, je vais tout payer. Mes cartes de crédit sont là. Je vais tout payer. Pour moi, à moi, elle ne gère pas. Que, oh, pardon, pardon, pardon. C'est comme ça avec Amouin. Amouin est dans un pardon qui n'a pas de nom. La souffrance de Amouin n'a pas de nom. Quand vous voyez Amouin, Amouin ressemble encore à quoi? Hein?
La honte même veut tuer à moi. À moi, attrape seulement avec les mains, comme on dit souvent chez nous en Barentais, là. Ça ne dose plus. Ça ne dose plus. Même la ténébreuse, qui aurait cru? Comme je vous parle, vous doutez là. Qui aurait cru? En temps normal, là, on m'a dit que la ténébreuse, elle dit, ouais, non. Elle est terriblement mariée. Et son mari l'a dotée deux fois. Eh Dieu. Maman, comme tu te dotes deux fois, tu le trompes comme je ne sais quoi. Ah, son gars l'aime, hein. Ah, maman. Attendons seulement voir. Elle a les fesses dans le feu, c'est chaud sur elle. Elle ne peut pas parler. C'est la mère Zakota qui a rangé. Oh, mon baron, ne parlez pas maintenant. Vous savez que si la fille entend ça, là, la fille va rentrer là, si elle entend ça, là. Donc c'est moi qui maintiens même à moi en mariage en ce moment. Maman, si elle meurt là, à moi, elle va divorcer. Je vous jure que c'est moi qui maintiens à moi en mariage. Je vous dis. Oh, parce qu'elle sait que si pour à moi, elle tombe, à moi, maman, je vais vous inviter. Que vous allez entendre avec moi. Je vous appelle que venez entendre. Venez entendre. Nous, on adore le Comera. C'est notre lait. Bala sak ba nous mbi de viagi. Ndamu kuma la sak ba nous mbi de viagi. C'est comme ça qu'on dit en Barenté. Maman, elle disait que mon Brad Pitt, sans prendre les photos des autres personnes pour comparer le Brad Pitt enlevé. Brad Pitt enlevé. Pardon, dites-moi, il est où? Enlevé. Ngungon. Brad Pitt enlevé. Maman, il est où Brad Pitt? Brad Pitt enlevé. Brad Pitt enlevé. La fille là, quoi? La princesse, c'est qui a les hectares? C'est Brad Pitt, Brad Pitt enlevé. Enlevé. Ouais, Brad Pitt. Brad Pitt, Wong. Zanda. À Brad Pitt. Ne me fais pas la honte, Brad Pitt. Reviens, Brad Pitt, hein? Oh. Maman, Brad Pitt, Zan, Brad Pitt, ne fais pas ça, Brad Pitt, ne me fais pas, ne me donne pas la honte de Brad Pitt. Pardon, Brad Pitt. Le king et la queen des ténèbres. Brad Pitt, Zan, Zanda, Brad Pitt, maman, ne me fais pas ça. Maman. Que Brad avait quoi? Brad Pitt, maman. Ou bien c'est Brad Pitt. Oh. Moi, je pense pas que c'est Brad parce que Brad peut pas partir comme ça. Bon, Brad Pitt. Pas qu'on mange là. Maman. Il a boum. Maman, quand tu es une femme que tu pars à gauche, on dit qu'on a Mbinda. Tu pars à droite, on dit qu'on a Mbinda. Tu vas ici, on dit qu'on a Mbinda. Tu vas à gauche, on dit qu'on a Mbinda. Maman, tu veux te vanter avec la qualité là? Oublie ça. Oublie. Oublie ça. Merci, ma sistou. Maman, ça a cuit sur elle. Ça a cuit. Et je vous dis que, quand je vous avais demandé ici que comment on appelle les habitants du Cocotier, ceux qui sont... Elle est au restaurant. Comment on dit ça? Le magasin, c'est où elle a rangé tous ces cartons de la maison sont placés là-bas. Elle n'a plus de... Elle n'a même pas l'argent pour payer. Et elle squatte de temps en temps chez sa fille. Donc les rats, les souris, les cafards, tout, elle gère ça là-bas dans le cocotier avec. Maman, c'est chaud sur elle. Romains 1, verset 29 à 32. Non, ne me salue pas, c'est ça. Et là, maintenant, là. Comme on l'a insulté, quand elle a vu le téléchargement, elle est en train de chercher la compassion dans le black and white. Allez lui donner l'argent parce qu'elle veut l'argent pour son déménagement. Il faut qu'elle aille s'installer en France. Donc, c'est Jackie qui a le restaurant.
Le restaurant n'a pas de licence. Et puis, on utilisait frauduleusement la licence au restaurant. Aujourd'hui, il n'y en a plus, donc c'est mort. Il y a un petit restaurant à côté qu'on appelle Mboa. Ben écoute, là, c'est là-bas que nous allons partir maintenant. Hein, parce que moi, là, depuis, je ne sortais pas. Ma partie maintenant, elle veut sortir. C'est Mboa que je m'en vais manger poisson là-bas. Et je bois. Et je rentre à la maison et je dors. Les tétas. Timothée 5, verset 12 à 13. Après, va aller lire ça, toutou. Toussi. Maman, Brad Pitt. Ouais, à Brad Pitt, maman. On ne veut Brad Pitt. Ouais, ne me fais pas ça, Brad Pitt. Rentre alors, s'il te plaît. À Brad Pitt. Ouais, regarde, la sorcière est déjà au courant. Ma vie est dehors, mes fesses. À Brad Pitt, non. Non, il faut même que j'aille me réconcilier avec la gale. Vraiment, là, cette fille-là ne va pas nous laisser respirer. Non. Proverbe combien? 1111, hein? Verset 12. Maman, elle a la fille dans quoi? Les pieds hackés. Maman, Wombo, le Guinéen a laissé ça, il est parti. Le Guinéen a dit que même avec tout ça, là, il te laisse. Maman, je préfère même celle qui a les pieds mabongo, qui me respecte, que quand j'arrive quelque part, on sait que non. Voilà Madame X qui est là. Maman, et la nouvelle femme qu'il a là, la fille là est belle. Elle est comme une image. Maman, la fille, vous connaissez les peules, non? Elle est sauvagement belle. Vous allez me flatter, vous postez la photo là. Je vais vous poster, vous allez confirmer la fille. Maman, c'est la douceur de l'enfant que vous voulez voir. Maman, une fraîche petite fille guinéenne. Ce n'est pas les lol. Maman, moi, quand j'ai vu la fille confirmer, la fille que maman, d'où il y avait des filles comme ça dans le pays de l'homme, c'est plus venir faire quoi ici? Mais je ne suis pas pour dire que tous les Camerounais sont. Non, non, non. Mais non, la petite fille-là, elle est belle. Oh, non. Mm-mm. Ah bon, merci. Non, qu'elle vient nous taper, il n'y a pas de problème. Non, on accepte. Maman, il n'a pas de Facebook, père là. Il n'a pas de Facebook, il ne connaît pas lire, il ne connaît pas écrire. Non, non, il n'a pas de Facebook. Non, tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Allez seulement sur son mur, on dit qu'il y a encore ses photos là-bas, vous allez voir ça là-bas. Ah oui, oui, oui. Allez sur son mur, vous allez voir ça là-bas. Maman, le nom même a sauté. Le nom du gars a sauté. Il n'y a plus son nom. Le nom du gars a sauté. Et comme c'est des filles qui aimaient fonctionner en émeute, quand elles étaient avec beaucoup de gens autour d'elles, mais il fallait les voir faire. Comme si elles vont détruire. Non, je suis seule. Une place. Bon, voilà. Je ne gère personne. Ça ne va pas, ça ne va pas. Rien à foutre. La haineuse internationale, c'est moi. Je porte ça propre. C'est un nom qu'a Flore Jolie. C'est un nom qu'a. Et n'oublie pas que c'est ma périsseur. Hein? Compression, c'est ma périsseur. Elle va faire quoi? Elle va bavarder quand elle va se calmer. C'est ma petite soeur. Elle va rien faire. Much love. Tu n'es pas la bienvenue ici. Bye bye. Parce que much love là même, c'est la gale. C'est la gale. Elles sont nombreuses ici dehors à Montréal. Moi, vous me voyez là, je suis toujours dans mes directs ici chez moi, une place. Je ne les cherche pas. Elles sont tout en train de me chercher, chercher, chercher. Celui qui me cherche, je le télécharge. Point barre la ligne. J'ai des photos qui viennent me trouver dans mes inbox de l'Angleterre. J'ai les Congos, ça que les gens font. Ça vient me trouver dans mon inbox. Tous ceux qui parlent de moi là, je vous connais tous, mais je ne vous gère pas. Mais quand ça va tomber comme pour la cocotière, je télécharge. Moi, ce n'est pas une prière. Je vous dis, moi là, je ne vous cherche pas. Je ne veux aucun problème. Il n'y a pas de problème. Mais, ne venez pas me chercher. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Ah, elle aura de place à Paris. Parce qu'elle va venir, elle va dire qu'elle est canadienne. Maman! Elle est canadienne. C'est ça même. C'est ça. Donc voilà ça. Voilà une fille.
Elle se lève, elle insulte toute une ville, elle insulte tout le monde, elle vient parler, elle prend les gens pour des filles, je sais pas, de malades. C'est toi qui insultes tout le monde. La nouvelle garde, j'ai accouché. Elle a déjà accouché. Ça a été rapide au point où elle n'a même pas voulu que quelqu'un soit au courant. Oui. 2 mètres carrés. 2 mètres carrés. C'était quoi? C'était rien, ça. C'est juste le bluff. On filme de loin et puis on fait les snaps et tout. On trouve que c'est beau, qu'il y a le monde, il y a les gens, il y a tout. Puis voilà ça. Ah, ça, c'est bien tout, tout. Donc vous allez même vous marier en même temps. Donc c'est un peu ça. Voilà une histoire d'une fille qui se lève, qui insulte les mamans, qui insulte les enfants, les aînés, tout le monde. Elle insulte tout le monde. Donne le numéro. Je vais te donner. C'est Coco. Tu vas taper Cocotier 2.0. Tu vas trouver ça. Elle insulte tout le monde. Elle dit comment elle est terriblement mariée. Elle avait bien gardé le secret. Maman, une qui insulte comme c'est une insulte de talent, elle pouvait accepter que ça sorte. Et tout le monde, même tous ceux qui connaissent ça, ils ont le courage de parler. Ils ont peur de parler, qu'on va les ramasser. Mais moi, là, quand elle va me ramasser, je vais parler. Elle ne peut pas, elle avait dit qu'on ne peut rien faire. Moi-même, je ne peux rien me faire. Rien. Elle est la femme du chef Baham. Ah, donc elle est arrivée jusqu'à Baham. Maman, je vous ai dit qu'elle est universelle. Celle-là, elle est partout et nulle part. Donc ça ne m'étonne pas. Même si on me dit qu'elle est la femme du chef tout pourri, tu vas seulement accepter. Dites pourquoi plutôt que vous avez père des filles, père tes filles et toi depuis l'avertissement, personne ne prononce son nom. Pourquoi? Moi, je n'ai pas compris ce que tu as écrit. Ma chérie, le respect, attends-moi dans ton mur, chérie. Je ne peux pas me respecter. Elle ne s'était pas respectée. Elle a insulté les aînés. Elle a insulté plein de gens. Elle a lessivé plein de gens. Les gens qu'elle a insultés, que je n'ai même pas envie de prononcer leur nom. Parce que ça ne me regarde même pas. Mais, moi là, je parle pour moi. Elle est venue m'insulter. Se moquer de moi que je me suis séparée. Se moquer de moi que mon mari m'a abandonnée. Et dernièrement, même pas 2 semaines, elle est repartie écrit sur son mur que j'empêche que mes enfants parlent à leur papa. Maman, what do you know about it? You don't know anything about it. You don't have to say nothing. Nothing, zero. Donc ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, tu t'assois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. On te dit. Donc quand tu veux parler, moi je t'amène, je te dis que écoute, il n'y a pas que toi qui sais parler. Moi aussi je parle et je vais parler bien même. Et tu vas rien me dire. C'est ça, elle est partie du mariage, elle est partie se retrouver à Paris, on l'a tabassée à Paris, on l'a molestée à Paris, on l'a chicotée à Paris. La fille me dit, maman, elle est forte jusqu'à maman, et puis elle est belle. Maman, no place for you over there. Just stay here, maman. Anita, elle est où?
Il faut qu'elle écrive, je la vois. Je veux lui dire au revoir. Pomme à la sauce chou, papa. Non. On l'a tapé. L'angamétiste l'a touché. Je te jure, père, là, on l'a tapé en Paris. On l'a tapé, elle est sortie de la maison en courant. Ces choses sont parties le trouver à l'hôtel. Pas ici. Maman, je parle propre. Même si je. D'abord, même que Eyoumla va partir ou avec toi. Je veux parler, je veux prononcer son nom tous les jours. Il va se fatiguer de toi. Ce que tu veux aux gens là. Je veux parler de lui. Je veux le mettre ici sur Facebook. Hein, maman, pour nous, c'était ici, non? Pour lui, même pas fini ici. Il m'a dit que maman, c'est quelle relation que j'entends pour commencer à chanter mon nom sur Facebook. Maman, c'était comme ça. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Eyoum, Blaise, maman, ton colis là pèse beaucoup, hein. Je pense que tu vas soulever. Il pèse trop, hein. Il pèse trop, hein, le colis là. Il pèse beaucoup, hein. J'espère que tu vas le soulever, hein. Parce que. Je parle de toi tous les jours, hein, je parle de toi. Moi, j'ai rien à foutre. Elle a pu écrire, comme j'ai dit qu'elle va la bloquer, elle n'écrit plus. Même à la fin, je vais aller la chercher. Je veux parler de lui, bien. Je veux parler de lui tous les jours. Il sera. Je ne sais pas. Je veux respirer avec lui. Je parle avec lui, je fais mes posts sur lui. Et je dis à sa femme que, pardon, ma chérie, si elle te dépasse, envoie-moi. Je l'ai insultée dans les directs. Parce que c'est où on avait commencé, on va finir dedans. Maman. Tu as la chance que les gens m'ont écrit qu'il ne faut pas laisser couler le direct. Là, c'était long. Je devais te laver dedans comme ça, là, tu devais confirmer. Mais ne t'inquiète même pas. J'aurai le temps de couper. Avant de revenir, si tu lèves la tête, je vais couper les directs avant de te revenir dessus. Comme ça, tu vas confirmer le code. Je vais mettre épisode par épisode, avant de te molester. Moi, un zombie comme ça, du camé, lui-même, il vient dans mon direct. Ah, quand il faut la laisser. Je dis que je vais vous télécharger tous. Ici, là, à Montréal. Faites attention avec moi. Je ne mange chez personne. Je ne cherche personne. Même quand j'ai mes amitiés, on ne me domine pas. On ne me parle pas n'importe comment. Quand ça ne va pas là, j'ai mon mot à dire. Si tu crois que vous allez faire vos choses, je n'aurai pas mon mot à dire. Là, je vous dis tout de suite, merde. Moi, là, j'ai mon mot à dire. Et quelqu'un me cherche, il me trouve. Je ne parle de personne. Je ne parle chez personne. Et vous, tout ce qui est là, vous dites que je parle. Ramenez-moi des preuves que je parle avec vous. Parce que je n'ai le numéro de personne. Et je ne parle à personne. Les rares personnes à qui je parle se connaissent. Donc, si on me dit qu'il y a quelque chose venant de cette personne-là, dites de moi. Moi, je vais vous demander. Donc, c'est ce que j'avais dit. Je vais les télécharger. Qu'ils viennent. Qu'ils ne viennent pas mal. Je te dis, je ne te demande pas. Elle est partie. La femme l'a tabassée où? La femme est passée à l'hôtel, l'a tabassée à l'hôtel. Arrêtez un peu. La femme l'a tabassée à l'hôtel. Donc, elle quitte ici pour aller arracher le mari d'autrui. Maman, c'est une voleuse de mari. Point barre à la ligne, on n'en parle plus. Maman, le carambani est grave ici. Ça sort seulement par terre. Et le pire, c'est que ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que le mien, là, ça vient me trouver dans mon inbox. Quand je télécharge, je mets de côté. Il y a trop de carambani ici. Les gens parlent même de toi, de ta vie. Ils ne te connaissent pas. Ils ne t'ont même jamais vu. Parfois, tu as assis à côté de quelqu'un. La personne parle de toi. Tu demandes à la personne que tu connais la personne. Elle dit non, tu ris seulement, tu passes.
Faites le gars de qui? Le gars de la cocotière qui est à Paris. Maman Nagui, qu'est-ce qu'elle nague elle-même? Parce que c'est une fille qui a faim, c'est une souffreteuse. Moi là, ce que je veux manger, quand j'ai faim, je mange ce que je veux. C'est où je sais que je le dépasse. C'est elle qui a faim. Nagui qui, elle se nague elle-même. Parce que moi là, mes enfants vont à l'école. Ils ont de quoi manger. C'est le plus important, c'est mon souci majeur. Le reste là, c'est des détails. I don't play game. Je ne joue pas à ça. Non. Tu les as vus en train de s'embrasser à l'aéroport. Maman, je t'ai dit que c'est une sapate. Elle marie partout. Ouais, celui qui disait que ce n'est pas son gars là. Voilà, Sally Fouki dit qu'elle a vu s'embrasser à l'aéroport à Paris. Ce mari de quelqu'un qu'elle embrasse propre. C'est le lait. Une ancienne pimenteuse. Une fille qui est arrivée ici. C'est Internet qui l'a fait venir au Canada. Quand elle part dans le cybercafé au Cameroun, elle prend Internet. Internet l'amène ici. Quand elle arrive ici, le blanc l'amène dans les maisons closes, dans les clubs des échangistes. Elle travaille pour le blanc. Quand elle finit de travailler pour le blanc perce son anus. Elle marche avec le coton à l'anus. Et c'est sa cousine, je ne prononce pas son nom, qui la récupère, qui soigne son anus cloué. Aujourd'hui, elle se lève et dit qu'elle va venir parler aux gens. Elle prend le petit Steve qui l'a épousé. J'ai dit que cette fille-là, je veux le petit gars qu'elle a épousé, après le petit gars là, elle a trompé le petit gars, elle partait à Vancouver, elle partait à Calgary, par-ci, par-là, elle laissait le petit gars là. Comme elle a l'esprit dominatrice, elle veut toujours dominer les gens là. Je te fais quoi, chérie? Oh oui, oh. Excuse-moi. Donc, elle a laissé, elle pas prendre le petit gars, elle amène, elle épouse le petit gars pour prendre les papiers. Parce que le blanc l'a fait partir au Cameroun. Quand le blanc revient, elle revient, le blanc déclare que non, il n'y a plus sa responsabilité. Maintenant, elle est obligée de lever la main, demande le Ngunda, parce que c'est une ancienne Ngundis. Et même le Ngunda même ne donne pas. C'est le petit Steve là qui est obligé de l'épouser pour lui donner le kaolo. Maintenant, il vient parler. Maman, parle à qui? Je dis que hein, t'es même pas bien téléchargé. Je vais te télécharger. Amuse-toi toujours. Sachant que les gens m'appelaient, les vidéos machin. Tu parles à qui? Quand les gens parlent, tu parles. Une restante de femme, une déchet de fille comme toi. Tu peux parler? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu peux me parler, ma chérie. Elle ne peut même pas me narguer. Ça, elle a oublié ça. Bonsoir, Ruth. Non! Diallo, c'est son troisième mariage. Elle vient nous parler. Diallo, c'est son troisième mariage. Et sa fille qu'elle a fait avec un boutiquier au quartier là qui vendait les pains chargés là. Donc ça fait quatre hommes. On parle de quoi là? Le boutiquier du coin, c'était le père de sa fille. J'ai une belle dentition, ma chérie. Donc, c'est ça. Donc, elle a quatre hommes. En dehors du piment qu'elle vendait à quoi? C'est qu'elle est venue vendre ici au Canada. Quand on l'a amenée dans la maison des échangistes, on a trouvé son derrière, tout ça là. Le pain sardine. Maman, comme c'est ça qu'elle est à la mode maintenant là. Mais à son époque là, je pense que c'est le pain beurre. Pain, beurre, chocolat. Donc, comme il versait l'huile d'arachide, tournait comme ça là pour mettre. On nous trompait avec dans le pain là. C'est avec ça qu'on a trompé. Mais lui, c'est lui. C'est lui maintenant, le médecin. L'infirmier médecin. Maman, peut-être qu'il a deux titres. Hein. Peut-être qu'on est en train de parler comme ça existe. Hein. Infirmier médecin. Guest star la diva. Bye bye.
Oui, c'était le boutiquier du coin. Si c'est Ndondo ou bien Ndondo ou bien Ndondo, je sais pas. Sa fille s'appelle comment encore, hein? Donc c'est un peu ça. Le père de la petite là, c'est un boutiquier, le boutiquier du coin. Mais oui. On vient nous insulter là. Au moins pour nous-mêmes là. Ils peuvent même donner à manger à nos enfants. Maman, le boutiquier. Hé, hey, dame dit. Le boutiquier. Le boutiquier. Le boutiquier du coin. Le boutiquier du coin lui donnait les pains chargés. Je ne laisse pas. Non, non, je n'insulte pas moi l'infirmière. Non, maman. Je ne peux même pas l'insulter. Anobinoï. Je ne l'insulte pas, mais je suis en train de. Ils avaient dit ici qu'ils luttaient pour les causes des femmes qui arrachent les maris. Maintenant, c'est moi-même qui lutte pour les causes des femmes qui arrachent les maris. Alors, si là, moi, je vais défendre la femme de monsieur, du médecin. C'est le médecin, bien, c'est l'infirmier. Diamant béni, viens. Maman, c'est qui diamant béni encore? Elle a le macabre fait depuis la naissance. Ah, là, où tu la connais, hein? Maman. Elle va seulement supporter, chercher le supporter, supporter, il confie de tout. Elle va faire quoi? Elle va rien faire. Le mari est parti. Donc voilà. Merci, Como. Merci, on fait juste avec, hein, c'est ça. Ne rate aucun japap. Elle est partout, bien postée, bien positionnée. Maman, elle est au quatrième mari, elle est partie prendre un petit étudiant qui devait lui donner les cas au lycée. Elle est venue malmener l'enfant, traumatiser l'enfant, insulter l'enfant. Prendre l'enfant pour moins que rien. Non, je dis que le mari de la reine des ténèbres, la ténébreuse, son mari est parti avec une belle petite Guinéenne Peul. Donc maintenant là, elle est dans son coin. Maintenant, elle dit que c'est en France qu'elle va partir chercher le gars. Maman, en France, les filles sont rapides, hein. Les filles ont les cartes bleues, hein. Carte visa, hein. Tu n'as rien, aucune formation, rien, rien, rien. 18 ans sans partage, aucune formation, rien, rien, rien. Aujourd'hui, ça vous rattrape. Tu vas faire comment? Diamant béni. Ça là, ça m'a dépassé, Babo. Je ne peux pas. Ça là, ça m'a dépassé. Je ne peux pas. Maman? Non. Tu vois une fille avec les ongles manicurés comme ça là. Tu sais que c'est. Non, je ne peux pas. Je suis pas capable, chérie. Non, 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 non. Mais si, diamant, si. La solitude veut maman, maman. Moi avec mes enfants dans la maison, tu souffres trop. C'est votre copine qui est poteau. Non, elle dit qu'elle est une belle, belle fille, sans haké, mais qui n'a rien dans la tête, qui ne connaît pas préparer rien. Pardon. Zéro macabre, rien, rien, rien. À moi-même, connais. Maman, on a chassé à moi au restaurant, hein. Même laver le sol, ça de passer à moi. À moi, c'est 40 ans qu'elle essaie, n'a jamais fait une formation. Maman, même puis même tabac, c'est pourquoi elle s'entendait bien. Elle peut faire quoi à qui? Pardon, il faut laisser ça. C'est les mêmes gens.
À moi qu'on ait préparé. Rêve là. Rêve, tu es où? Tu ne dors pas, ma soeur. Ah bon? Si c'est toi qui dis. On va lui dire Yako, pareil, propre, il n'y a rien à faire. On va juste lui dire Yako. Elle va rien faire. Rien. Ici, on n'est pas en Afrique. Je l'ai déjà bloqué, ne te dérange même pas. Est-ce que tu l'as encore vu monter là? Là, je l'ai bloqué propre. Mais je sais qu'à moi, ici, en faux profil. Oh, il y avait les écailles, pas de goût. Ah, la Nina Tchangi dit, elle ne connaît pas préparer. Oh. Quand je parle, vous croyez que je blague, pas qu'on n'est pas préparé. Elle ne connaît pas préparer. Au restaurant même déjà, elle connaît quoi? Elle va rester, elle va faire ses petits trucs-là. Oh, machin, machin. Rien du tout. Zéro macabo. Elle est nulle. Je dis bien nulle. Elle ne connaît rien. Rien. Maintenant, la serveur va se mettre. Même à 1000, elle vient. Je les attends. Elle ne pourra rien faire. Elle ne connaît rien. Même pas préparer. Rien. Je vous dis que elle s'est mariée 3 fois. Parce que il faut la laisser, elle veut qu'on parle, on va pas parler d'elle. Elle va parler, elle va répondre elle-même. Quelle insulte, elle va répondre elle-même. Personne ne va parler. Tu connais, non, quand personne ne répond, la presse, elle prend ses mains comme la folie. Elle commence à sortir les manivelles dans leur bouche. Je parle de Patricia, à moi, je ne connais pas. Ah, tu vas les connaître. À moi, c'est sur la toile. Elle-même, la ténébreuse, elle est sur la toile, pareil. Tu vas les voir. Je suis sûre que tu les connais autrement. Parce que c'était d'une autre gueulade là-bas. Une fille qui insultait. Mais quand je dis insulter, là, mais laisse tomber. Elle insultait tout le monde. Tout le monde. Sur quelle petite est cervelée? Sans être. Maman, on lui donne ça. Elle est mariée, on lui donne ça. On attend. Elle va revenir ici comme nous. On va la télécharger. Les gens qui veulent utiliser les gens pour rien. L'endroit est fini. C'est tout. L'endroit, c'est une place. That's it, that's all. On ne négocie avec personne. C'est comme ça et pas autrement. Quelle est ça? C'est forcé maintenant. L'amitié est forcée. Tu peux décider d'être ami avec quelqu'un. Juste tu décides de ne pas être ami avec la personne. C'est tout.
Parle de quoi là? Qui a peur de l'autre? Qui paye les factures de l'autre? Qu'elle aille se balader. Elle n'a rien à dire. Alors, tu es revenu, toutou? Faut la laisser, elle veut qu'on la fabrique. Je vais me reposer, j'ai encore le temps. Exactement. Va sauf que venir à Paris. Elle ne peut ne pas venir à Paris, oublie ça. Là, son mandat est short ici. Terminé. Elle a sa soirée de donner de l'argent, comme ça elle va partir. Elle aura de quoi mettre sous avoir dans son porte-monnaie pour aller à Paris commencer les premiers instants. Comme elle a jamais fait une vidéo, un post en disant qu'elle espère que son dernier hiver ici au Canada. Maman, pas! Il faut partir. Tu vas les trouver là-bas. La personne qui me fait rire dans tout ça, même, c'est à moi. À moi, la chèvre. La chèvre canadienne. Elle est partie, on a bien abusé d'elle. Ah, il aime ça. Ah, ben, il aime ça. Ah, ils m'ont fait avoir le problème à ma soeur. Ah, maintenant, ils m'utilisent, ils me jettent. Oh, ce n'est pas parce qu'on s'était dit. Ah, c'est monté, c'est descendu. Maman, qui est ta soeur? Je ne suis pas ta soeur, maman. I'm not your sister. Oh, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne suis pas ta soeur. Continue tes choses là-bas et puis laisse-moi tranquille. C'est comme ça. Voilà, validé. C'est là ce soir. Ça, c'est l'ami du gourou, non? Tu les vois, chercher les routes depuis pour aller chez le gourou. Donc, c'est un peu ça. Bon. Je pense que je vais retélécharger ces gens-là autrement. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous laisser. Je vais faire les devoirs des enfants. Et bonne soirée à vous là-bas. Portez-vous bien. Avec tout le monde à Montréal. Il n'y a pas l'eau dans son cocotier. Maman, elle a qu'à se marier. On attend. Le mariage, c'est quand? Invitez-moi, je vais venir. Oh, tranquille, il paraît que la mère for a choose d'aller aux US. Elle a choose d'aller aux US quand? Pour faire quoi?
Non, mais je ne pense pas. Faut tranquille, tu blagues. Sans blague. What? Non, non, c'est faux. Envoie-moi l'info, inbox de voix. Envoie le flyer. C'est ici, là. Maman a insulté toute la République, elle va venir. Mais entre temps, on ne fait pas la publicité de son nul, hein. On se plaint. On dit que elle a des faux Kaolo. Et que non, même si c'est les Kaolo là, c'est un peu bizarre parce que son fils n'est pas encore French. Et maman, c'est le Congo ça que tu veux entendre? Ah. En tout cas, on est là, non? Marais de bastonnade. On a encore bastonné qui? Ah, c'est les vrais poissons fumés. Moi, mais je veux savoir, hein. Faut tranquille, pardon. Où est le flyer? Envoie-nous le flyer en commentaire. Envoie le flyer en commentaire. Fonce tranquille. Maman va choisir. Me faire avec elle propre. C'est ça. Ça m'étonnerait parce que la façon qu'elle insulte les gens ici, elle ne peut pas. Mais même jusque-là, c'est en pointillé. Laissons voir parce que les choses sont en train de se dessiner en genre. Comme je vous dis là, je suis infiltrée chez eux. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler maintenant. Parce que si je parle maintenant, là, ils vont beaucoup s'arranger. Ils vont chercher à se souder pour qu'on ne parle pas. Je ne parle pas encore. J'observe encore. Mais je vais venir vous verser ça ici le moment venu. Je dis qu'elle est très très sûre. Ce n'est même pas les histoires. C'est pas. Madame Maria Satan a menti, les abeilles. Bien, ça n'a plus 2 ans. Qu'elle va faire un don après. Meuf, quel don? Elle a pris. On a déjà vu tout ça, non? Sur la toile. Elle a pris pour meubler sa maison. Avec elle, a quoi? Elle a donné le truc pour faire entrer les enfants de Coco. Elle va faire comment? Ah, Coco, c'est son mari. Sérieux, sérieux. Mais c'est une secte, non? Vous croyez que quoi? Quelqu'un va accepter quoi? Les gens là vont accepter qu'ils ne peuvent pas accepter. Je suis Colombo. Je ne peux pas parler maintenant parce que les femmes vont s'arranger. Vous avez menti, je ne dirai rien. Ah, attendons voir. Quel sans problème. Maman, tu sors ton produit même pas 1 mois. L'autre va faire la publicité de l'autre. On demande quel produit tu te ouins avec. Elle dit quand. Moi, les choses comme ça, 1, 2 jours, 3 jours, vraiment, je ne suis pas les cancans choses. Moi, je suis naturelle, je suis très naturelle. Maman! Tous les malades se gâtent à Montréal. C'est que c'était les faux malades. Malades de qui encore se gâter? Ah, car c'est juste pour le modèle. Elle s'entend avec Coco Satan pour faire ça. C'est le modèle. Tu crois ça? Je ne crois même pas, même un iota. Ok,
Faut être tranquille. Pourquoi tu ne veux qu'insister là-dessus? On te dit que non, ce n'est pas possible. La fille bafoue. C'est qui la fille bafoue? Toutou, c'est qui la fille bafoue? Sous ce sûr. Elle sait que tout le monde attend qu'elle clash à moi. Elle ne peut pas clasher à moi maintenant. À moi est dans son collimateur, mais elle ne va pas clasher à moi maintenant. Le moment venu, vous allez me dire, elle va clasher à moi, mais pas tout de suite. Elle ne lui tient pas. Elle va clasher, mais pas tout de suite. C'est vrai que c'est elle qui l'a mis en contact. C'est comme c'est une rusée. Elle a profité de l'occasion. Maintenant, elle veut mettre à moi à l'écart. Fonce tranquille à l'ouvrir, mais j'ai pas le Chacun le pas à son niveau. C'est faux coup, non? Est-ce que c'est faux coup? C'est quoi là? En tout cas, ça sort comme ça sort. Voilà, ça donne peur. Même les abeilles sont ça cuit partout. Ah, on verra. Maman, c'est que les gens, c'est ce qu'il va faire comment? Hey, maman. Oh, maman. Tu peux voir que force tranquille, si c'est même l'ami d'un mois, hein? Parce que la façon qu'elle parle avec insistance, là, ce n'est plus normal. Je ne dors pas, c'est vous qui allez dormir. On n'a même pas encore 20 h ici. On n'a pas encore 20 h ici. Regardez quelle heure il est ici. On n'a même pas encore 20 h. Bon, c'était le souper de ce soir. Donc, ils vont bien souper avec ça. Comme ils aiment le maranzon là. Donc, ça, mais j'ai pas bien décortiqué. Pardon, débloque-moi. Pardon, débloque-moi. Kelly Bibaga, tu es déjà débloqué, non? Vroom, vroom, à moi. Ok, tu vas seulement vous regarder en différé. Mais tu écris et puis tu dis qu'on te débloque. Ton autre faux profil, c'est quoi?
Ah oui? Tu as d'abord fait quoi pour qu'on te bloque, Kelly? Chez moi, la Tonganaise, j'étais bloquée. Tu m'as d'abord fait quoi là-bas pour que je te bloque? Hello. Chérie, tu as fait quoi? Elle Madame Tounet. est déjà là. Il dit que le goût de Misunga dit que entre, je vais entendre ta voix. Les faux profils, ils ont des scènes. Le goût de Musunga. Le goût de Misunga. Donne-moi le billet d'avion, je viens. Je ne peux pas voyager comme ça. Tu sais que mes enfants ont faim. Le goût de Musunga. Non, c'est Toutou Toussi qui dit que tu viens à Washington quand. Hein, qui dit que dans mon billet d'avion, je viens. Mais maintenant, tu es une star, on peut t'inviter partout. Hein. Tu es une belle star, tu es la plus belle de Montréal, la plus belle du Canada. Maman. T'as pas de ce soir-là, maman. Était-moi dans le Congo, c'est au téléphone. Si vous voyez, Ah en ce moment, bon? j'ai pas de téléphone, je suis parti. Gambo, t'as mon même soeur. Oh, le Congo, ça de ça. Hey. Maman, le Force Congo, ça de tranquille. ça. Elle a Regarde, force hein? tranquille, Duba. Tu ris comment? Comme Lolo. Ah. Je connais le faux profil. Le faux Qui rit profil, comme moi, c'est pas c'est moi qui rit comme elle. hey. Le faux profil, ça m'a fait comme si c'était la personne qui était ici avec moi. C'est qui? Moi, tu connais que la même personne m'a aussi dit que je ris comme Lolo. Que tu ris comme moi. Ah bon? Bonsoir Delphine Épée, comment ça va? Bonsoir Delphine, ma spotless sawadienne. La plus belle des filles sawa. Je sais que la reine des ténèbres La reine des ténèbres, c'est qui? Maman, tu comprends la reine des ténèbres? Tu es en Dodo, si tu me retard. donnes pas, je livre tes secrets chez Parafou. Cours vite, maman. Prends le marathon de Usain Bolt, tu pars. Envoie-moi tes infos inbox. J'achète le. Mais man, la petite est serrée. Envoie. Hein. L'envoyer, il va acheter.